Comment toi, tu se connais, interdit les autres gens. Moi, quand tu marches à Paris, regarde derrière toi. Parce que je ne te lâche pas. Deuxième ronde avec toi. Que mon frère fait quoi? Coucher avec ma mère. Je dis que hein, la vidéo, si coupez ça très bien, vous m'envoyez ça inbox. Parce que la vidéo, si l'ange de vie, n'a pas vu, je vais envoyer ça à tout le monde. Parce que tu prononces son nom, ça veut dire que c'est lui qui t'envoie. Hey! Envoie ça! Quand c'est sorti, c'est que ton frère, que le frère de ta mère, hein? C'est moi qui a sorti depuis des années. Quand t'es insulté ici, c'est sorti que tu as eu l'inceste dans la famille, que ta maman a couché avec ton frère. Et que la plupart de tes frères, c'était entre eux là-bas. Tu as oublié ça? C'est moi qui ai sorti ça. C'est sorti ici à Facebook. Tu m'entends? Aujourd'hui, tu dis que quoi? J'adore. C'est pour ça que vous savez que moi, quand je m'en vais faire les patrouilles, j'ai dit que cette fille-là, tu viens insister ma mère depuis des années. Au début, il y avait Lolo avec elle. Parce que Lolo, c'est moi qui ai dit Lolo de là où. Là, okay. C'est moi. Salut là. Tu peux venir nous dire. Tu peux venir nous dire. Dis quoi? Elle est sûre d'elle, tout ce qu'elle dit. Ngoussa, si tu étais mal éduqué, parce qu'une mère d'abord comme ta mère là, qui ne t'a même pas, qui ne t'a même pas t'a rejeté étant petit, quand tout le monde partait à l'école, tout le monde est parti de l'école, toi, tu étais où? Tu étais rejeté, ça m'a fait mal parce que je vois des petites filles. Imagine comment elle est là, sa maman est là. Elle, pourquoi ta mère t'a jamais mis à l'école, même à la situation où j'avais été? Tu te connais, tu es né vert. Ngoussa, que tu es né vert. Vert, parce que je ne connais pas quand tu es né. Les Français que tu parles, c'est des Français. Les Français que tu entends comment les gens parlent et tu analyses. Normalement, juste que si tu allais à l'école Moscou, je pense que tu allais être quelqu'un. Je t'ai dit, elle était derrière l'école. Mais si toi, tu es hâte, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un Moscou. Mais toi, je ne veux pas te louper. Je ne veux pas. C'est pour ça que quand même, moi, on a les problèmes. Parce que tu vois comment elle insulte ma mère là, non? Elle a terminé ma Anna. Ici, attendez, il va chercher. Et vous mettez là, vous allez écouter comment elle insulte ma Anna. Et Lolo n'a pas fait ça pareil avec ma Anna. Mais quelqu'un est capable de dire que pourquoi tu insultes ma mère? Comme ça n'a jamais vu. Mais pour Lolo, elle m'aime. Mes enfants étaient minces. Et moi, j'étais à l'époque, j'étais comment? Parle de toi. Si tu as dit une vie décevante, parce que franchement, si tu avais dit une belle vie, moi ça. Parce que tu viens servir le fait d'après. C'est ici. Le fait man là, ici. Celui qui te fait venir ici. Tu as couillé avec tous les. Tu as distributeur de cartes lettres. Je te dis que matelas public certifié. Moi, j'ai eu 11 000 euros. Toi, on t'a payé avec les 6 000. Dans les monopolies. J'entends dans ce moment de toi, c'était toi. Hein? Mais je sais qu'il y a une fille ici qui soit avec Blanchard. Que cette voix avec Blanchard va regarder avec toi. Tu savais que je suis avec Blanchard. Oui. Dès que j'ai quitté Blanchard, j'ai pris quelqu'un d'autre parce que moi, les femmes, j'ai joué aussi comme le mât. Et je ne prenais pas n'importe quoi, pas la racaille. On est d'accord là? Après, elle couche avec Blanchard, tout ça là où elle dormait. Toi, tu dormais chez Manija. Un gada qu'elle avait assez toi. Là-bas, elle faisait les. Donc, c'était un peu une maison pour les transit comme ici, quoi. Donc, on a capté que les gens arrivent. Il y avait les chambres à l'étage, les lits à l'étage. C'est-à-dire que ici, elle avait a bien arrangé trois lits. Donc, le côté, si trois lits, ça fait six lits. Dans les transits là, il dormait là-bas. Et elle pouvait permettre que les femmes utilisent son adresse. Pourquoi moi je n'ai pas ça? Parce que moi je me protège. Je n'ai pas dû porter le sida au camion rouge. Je venais distribuer. Donc c'est toi. C'est toi qui bagarrais partout. Il n'y avait pas d'argent. Tu ne peux pas dire bon, je dis bon, il n'y a plus d'argent. Bon, moi, tu ne peux pas prendre une t-shirt même de 50 euros quelque part là, dans vos bouts d'hôtel là, de passe à la con là, tu ne peux pas prendre ça. Hein? Dans les hôtels sinueuses là, tu ne peux pas prendre. Oui? Et comme là-bas là, on buvait la bière. Parce qu'il y avait les gars là-bas. Oui? C'est comme ça alors que. Quand je blanchis ma main là-bas, je vois les filles. Les filles me regardent un peu en jeu parce que bon.
Rien que mon habillement et tout, même si on est enfant, on n'est pas pareil, hein, parce que moi je suis distingué, attention. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit que non, quand tu sais qu'on le passe pour aller, on se modèle vie, on se modèle vie, où allez payer là. Je laisse sur mes choses ici, mais je paye. Et c'est comme ça, l'autre me dit, chérie, viens. Parce que comme il y avait des femmes qui me regardaient là-bas, oui, et il me dit, viens, on parle. Et donc c'est ce que tu dois pas. Hé, mais pourquoi tu ne dois pas? Allez, alors, si tu veux, j'ai ma mère, moi j'ai une maison, car je suis marié souvent, j'ai une maison, il me dit non, c'est une dame que je fais. Mamija! C'est Mamija, Mamija qui est au 17e là, elle avait un gars. Est-ce que tes affaires, est-ce que non, toutes mes affaires, c'est Mamija qui garde mes affaires. Il dit mais attends, mais regarde-toi, regarde là où on était, et puis on était, tout le monde là, lui et moi on était à l'hôtel Ibis. D'accord? Donc c'est pour ça que tu me. Moi, mais insulte-moi. Ma mère vient faire quoi dans ta bouche? Quand les abeilles finissaient ici, avec toi, quand les abeilles sont allées mettre les asticots, après ça, et les cafards, et les restaurants, le papa de ça qui va se marier là. Il faudra voir. La dot de ma fille. Ta fille t'a répondu quoi? Non? C'est ça, je vais aller là, c'est papa, il faut voir ça avec papa, hein? N'est-ce pas, tu l'as élevé? Elle est partie chez son père parce qu'elle ressemble à son père. Son père a encore ouvert un restaurant. Je sais où au mariage là. Après, c'est mon ami. C'est Patrice. Tu sais que les restaurants là-bas, à Place Clichy, les grands restaurants là, c'est lui qui te présente celui-là. Tu me parles, moi, tu payes le mariage, tu me parles. Mais attends, René, attention. Hein. Toi, on t'a payé avec les faits similaires. Tu es parti, apparemment elle est partie pour aller changer l'argent ou dans le bureau de change qui a pièce que je suis là. On a dit que non, elle était avec ces deux gars. On a dit que non. Tous les billets qu'il t'a donné en dollars, les monopolies. Alors que moi, c'était à l'époque quand 200, quand les billets de 200 euros étaient les jaunes là, étaient encore payant. Les 100 payant, les 500 euros payant. Moi, m'a payé. Et tu me parles, moi, mais apprends quoi, moi? Quand tu es que tu es né d'inceste, que ton Miro. Oui. Je suis à Suren. À Suren. Vous ne connaissez pas Suren? À la rue de la Tuilerie. Écoutez-moi très bien. Je suis à la rue de la Tuilerie. Oui. D'accord, merci. Non, j'ai l'argent, non. J'ai joué l'argent du vent. Attendez, je vous montre ça. Maman, la chair, tout ça fait. Voilà l'homme. Comment tout le Camerounais est au courant que. Et c'est toujours elle. L'histoire que j'ai racontée là, de la news de l'an 2000, c'est toujours elle qui est au courant. Elle est venue balancer ça. Elle est à comment on appelle ça? Au 17e. Toujours elle qui se rallie, hein. Elle a fait ramasser l'an 2000. Lève-toi. Elle a dit, Pépé, pourquoi tu me fais ça? Maman, la honte à l'étude. À la piètre. Tu connais la piètre, non? Là-bas, le 18e, là, la boîte de nuit, là. Maman, il fallait la voir. Mais tu sais, tu étais tellement insignifiante pour moi parce que tu n'avais aucune classe et tout. Tu étais vulgaire et tout. Moi, les filles comme ça, je ne te regardais pas. Parce que quand je te voyais souvent, c'est comme si. Moi, je n'avais même pas deux minutes à faire avec toi. Eh oui, pour ça. Elle a dit à la 2015, sur la pièce, il a fumé le banga. Avant, tu riais souvent. Tu ne riais pas beaucoup. Parce que tes dents étaient. Il a dit, les dentiers que tu portes ici, là. Même son dentier n'est pas en haut. Hein. C'est ici en bas. Où ça? Elle a dit à la 2015, lève-toi. Et la 2015 dit, ma pépé, tu sais tout. C'est ce que commence, que les gens avaient honte. Je ne sais pas, c'est toi qui l'as invité. Il arrive maintenant. Elle sortait avec un gars métis qui l'a tabassé. Il l'a tiré au sol. Comme la serpillère. Elle a fait. C'est comme ça qu'on dit que la rouge joyeuse. On m'a appelé Valérie, voilà ton grand frère qu'on suit là-bas. J'ai dit que quoi? Moi, j'étais dans les états là. Vous connaissez ma maman, pas de vie. Parce que moi, quand je suis ma cible, je ne veux pas entendre. C'est comme ça qu'on m'explique maintenant que. Et moi, je le cherche.
Parce que quand moi, je suis pas allé de côté là, parce qu'il y avait un côté là où il y avait les gens pouvaient s'asseoir. Oui, vous connaissez la pièce là, notre boîte de nuit des noix là. C'était Eddie Gambi qui avait la boîte là à l'époque. Alors là, j'ai horreur des gens qui me perturbent comme ça. J'ai tapé fort sur le dos. J'ai dit que je merci de mettre les secrets. Donc je dois taper fort sur le dos. Il va arriver là-bas à 10h, tu vas voir. Parce qu'il y avait un côté là où on disait que les gens qui payent fort, non. Nous, on partait là-bas au bar. Parce que nous, on partait bon. C'était on dit bon. Parce que c'était mélangé la pièce avant, la pièce était mélangée avec les blancs, les noirs. Je n'ai pas regardé, parce que quand moi, je ne regarde pas les femmes qui sont sur la bordel. Moi, je vais regarder là avec les blancs là-bas au bar. Ah, ça m'a fait mal. C'est ça que tu as dit, mais Pépé-tu, pourquoi tu me fais ça? C'est parce que toi qui as demandé que je vais t'attendre. Non, lève-toi. Tu as dit à l'angle, lève-toi. Tu l'as chassé comme ça. Donc, toi et lui, vous savez, vous t'avez dit là où ça parle. Moi qui me suis comme ça devant les gens. Il dit non. C'est comme ça l'histoire d'Anis est arrivée. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous. C'est toi qui venais ramasser ça encore au 17e. Mais c'est moi, c'est ma soeur qui m'a dit. Mais c'était déjà au 17e. Toujours toi. Maintenant, le problème de Blanchard. Blanchard, comme tu étais fâché que Blanchard t'a donné le texte email, et il a fait ça parce que Blanchard, c'est un porteur que lui. Il y a certains porteurs qui viennent porter l'argent. Directement, il part au pays. Il ne reste pas là à dépenser l'argent dans les bars, la con, là, dans les 17e. Ça. Non, lui, pas. Donc, elle était la villageoise que tu es. Le dollar. Tu ne peux pas regarder. Avant d'aller, tu ne peux pas prendre ton ami à côté pour dire que regarde ici, c'est le bon billet. Elle qui te couille à rien. Elle part. Comment on appelle ça? Là-bas, peut-être que je suis dans le bureau de change. On dit maintenant, vous foutez de nous là. Ce sont les billets de Fiximel. Elle fait mal. Fiximel, elle est partie changer maman. C'est comme ça qu'elle retourne alors boire le vin chez Marie-Ja. Elle avait été avec moi. Tu couches avec les hommes sans les préservatifs. Mais tu aimes le contact direct. Oui. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas d'enfant. Moi, j'aime pas les contacts directs, mais j'ai quand même des enfants. Attends, où ça? Tu ne sais pas qui je suis. Elle dit que toi, tu vas t'asseoir, tu vas confirmer, tu vas affiner. La vidéo, je te condamne. Oh oui, je te laisse pas dans Yota. Et vous montrer à quoi elle ressemblait. Elle était, on dirait, un oiseau qui a perdu tous les sens de la vie, des réalités. Moussa. Vous avez dit, Moussa? Elle avait aimé bien, vraiment. Attendez, je vais vous montrer sa photo. Parce que moi, je cherche les trucs. Mais je garde quand même les meilleurs pour la fin. Regardez-la. Regardez comment tu as grossi. Les joues sont comme du jumbo caca. Et là, c'est déjà devenu comme ça. Ne fais plus le gens ça. On va voir à quoi tu ressembles. Quoi? Ngoi. Tu vois, c'est sinon. Les fesses de ça. Je n'ai pas envie de te. Je n'ai pas envie de te. Je n'ai pas envie de faire ma page ici. Attends. Je vais vous montrer quand elle a appliqué la fesse à quoi elle ressemblait. Hein. Regarde-moi une villageoise. Une tebe. C'est ici alors. Voilà l'histoire d'ici là qui arrive. Regardez-la. La grande dame. Tu as vu la voiture de mon frère jumeau? Mon frère jumeau sortait avec une de tes copines. Il voulait une fille basse, une fille bien. Mais ta copine a menti qu'elle n'avait pas, elle a dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Mon frère a dit que j'ai jamais 9 enfants. Je ne veux pas prendre encore les enfants de quelqu'un d'autre. Je dis, Yami, non. Dès que mon frère a dit non. Oui. C'est pour ça que quand elle est venue chez Carole Alanga, parce que chaque fois qu'il va au Cameroun, quand il va, il peut faire aller boire chez Carole Alanga. C'est toi qui s'est déplacé. Ah, Martin, c'est toi. Dis à ta sœur, ne plus m'insulter. Martin a dit que je ne suis pas à Facebook. Je suis à Facebook, je ne suis pas ce que ma sœur fait. Ma sœur est grande, règle sa vie, ma sœur. C'est toi, tu connais la personne que tu as dit, tu connais mon frère. Et je suis à Facebook, mon frère. Mon frère, c'est Beelzebub Satan. Tu ne connais pas mon frère. Règle la vidéo, c'est comment tu as pris mon frère couché avec ma mère. Wonderful. Venez me ramasser, je suis au sol. On dit que tout ce qu'on fait ici, ça va nous rattraper. Moi, je ne fais pas ce que je dis. Toujours, maman, la dot de ça. C'est ta fille. N'est-ce pas que tu as tiré avec elle? Aujourd'hui, on m'a la douté. Elle que c'est son père. Elle que tu vas voir ça avec papa. Hein? Tu parles avec lui. Tu parles avec 5 francs.
Elle voit seulement l'héritage. Et vraiment, oui, ma fille. Quand tu demandes que, est-ce que c'est même ce que je veux marier, est-ce qu'elle va m'inviter d'abord? Elle va se marier comme dès que tu as appris que Mireille venait. Tu es parti. Ah, il doit là rien. Il y a où demain le même jour, rien. Et pour les voir, tu avais son frère. Attendez, vous savez que moi, je regarde les choses. On est bien. N'est-ce pas 2 + 3 = 23, non? Donc ton frère, il est très comme toi. Et j'étais là. Mais ça fait. Elle dit à son frère que, n'est-ce pas, ça fait 23. C'est l'amour. En plein direct. Après, quelques temps après, je ne me sens pas bien. Elle est partie pour la perfusion du sous-quartier. Pour dire que hein, j'ai la perfusion. Tu n'as pas encore vu la perfusion. Elle dit que hein, la petite fille que tu as vue, toi, tu as passé ton temps à élever un enfant. Que c'est mon enfant. Là, elle va se marier. Tu n'étais même pas au courant. La dot que tu parles là, elle est partie voir qui est son père. Elle t'a répondu quoi? Tu vas voir ça avec papa. Tu crois que Bango, ça peut donner quelque chose? Moi, ça peut donner, tu n'auras rien. Tu n'auras rien, ma. Heureusement que tu arrives ici à Facebook. Tu arrives ici. Profiteuse. C'est ton enfant. Elle est partie sur ton père. Elle vient là-bas avec toi parce qu'elle a pitié. Peut-être qu'elle a pitié. Donc, toi, tu vois. Donc, quand la fille entre ici. Oui, il y a une façon de douter, mais pas comme ça. Elle voit seulement l'argent. Oh, ma fille, il faut la voir. Oh, Dieu. Pourquoi tu t'en parles toujours à ma mère, pourquoi? Je veux savoir ce qui se passe. Comme je lui dis, c'est que depuis des années, cette fille insulte ma mère. Personne, elle fait tout ça. Maman, ça ne fait rien. Mais, comme je voulais que tu puisses le remember. Vous avez insulté toi et vous avez insulté ma mère. J'ai insulté vos mères. Vous l'avez, je laisse. Mais pour toi, je continue. Regarde là où ta mère est. Toi-même, tu es la seule. Tu n'entends avec personne dans ta famille. Personne. Là, le petit dernier terrain que tu avais. Voilà ça que tu as vendu en qu'un camp. Tu ne viens pas à Samuel. On ne voit les pauvres filles à Samuel. Et que, s'il vous plaît. Donne-moi les warriors. Je dis que hein, regardez là quoi. Ça c'est en 2018 hein. Vraiment. Attendez, je cherche la vidéo là où elle est. La voiture avait dans son camion rouge. Tout le monde a le camion blanc. Il n'y a que toi qui vas faire la camion rouge. Tu ne peux même pas te cacher. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Regardez. Vraiment. Attendez, il va chercher la vidéo. C'est aussi que moi, je cherche la vidéo là. Ngosa. Il n'en laisse pas. Où je peux pas la laisser? Oui. Je comprends pas pourquoi toi, il y a tu fais comme ça la paix de Ngosa. Quelle paix? Toi-même, tu dis que tu veux la paix. Là, il y a la paix là, Facebook là. Zéro paix. Je suis mal zéro paix. J'ai vu l'histoire-ci. Voilà les deux personnes que celle de Lolo, la naïve de Facebook là, a reçu chez elle. Les voilà qui l'excitent. Il nous dit, viens, il fallait soulever même les caleçons aujourd'hui. Ish. Il fallait soulever. Nous, on est là, on regarde, non. Attendez, cherche tout dans le gringa. Ringa. Aujourd'hui, elle a supplié Thierry. Elle a supplié Thierry. Thierry l'a donné un peu la page là. Elle est partie la page, elle est chancelière. Abonnez-vous de ma nouvelle page. Ne me pas moi, des enfants, de pépé, on fait ceci. Mais tu as une page sans épouser de personne. Pourquoi tu ne l'utilisais pas? Tu as supplié. Thierry t'a fait le haut haïque. Si tu es une femme, tu ne touches plus rien ici. Ah ouais? On a. Va, pourquoi tu fais les vidéos là-bas? Pour avoir. Est-ce qu'elle est star? Star de mes maniocs, de mes fesses, oui. Tu n'arrives même pas à voir. Tu as 7000. 7000 vues. 7000 followers. Mais pourquoi tu m'as là? Une personne. Donc, regarde-toi. Tu es une star, toi. Star de maniocs. Sans le dire que tu. Hein? Elle a tellement supplié, Thierry, que ouais, Thierry, s'il te plaît. Fais-moi entrer dans ma page, être chancelière. Pour. Comment tu peux avoir une page comme celle-là? Depuis des années que tu as un chancelier,
Pourquoi tu ne fais pas les vidéos là-bas? Papa, tu peux gagner dans deux. Hein? De tout, ça va être 4 plus 3 égale 20. Bientôt. Attends, je cherche la vidéo. Quelqu'un m'assoit, toi. Hein? Vous savez que j'ai aussi effacé beaucoup de vidéos. C'est de rien temps. Hein? Je n'ai plus la vidéo là. Trouvez-moi cette vidéo. C'est même moi qui vous avais dit comment faire. J'ai oublié parce que moi j'avais ça. Parce que. Attends, on passe sur TikTok. On passe sur. Les choses que j'ai mis aux yeux, si vraiment. C'est peut-être client là-bas ou non. Dis donc, tu ne viens pas, je m'en vais. Ngosa. Est-ce qu'on appelle Ngosa à Facebook? On appelle quoi? Son nom, c'est quoi à Facebook? Elle s'appelle comment? Maintenant, elle est avec Nathalie Babalé. Lui a donné le nom de Ngosput. Vraiment. Non, je ne passe pas, je ne trouve pas. Non, je ne sais pas comment il passe. Je sais comment je fais. Mais j'avais ça, non? Oh. La vidéo là doit être. Dans mon téléphone, là. Oui, parce que c'est trop long. Et... Oui, je suis là avec mon perso. Oh, j'aime la petite vidéo là. Et elle est crue. Que roi. Vous avez les réseaux sociaux, vous ne nous trouvez même pas. Tu risques de faire, n'est-ce pas, j'aime la vidéo là. Thierry Grand, tu ne viens pas faire la promotion des pages dans mon direct. Retire-moi ça vite fait. Bon, ce n'est pas cela que je veux. Ta mère est propre. Diamant bleu. Il faut vraiment avoir des diamants là. Que là où tu es dans la démence, là, tu vis avec un homme, tu viens crier dans les réseaux sociaux. Oh, cotisez pour moi. Eh, cotisez pour moi. Eh, eh. Vos gens là-dedans, vos gens là, vous donnent que l'argent tous les jours. Hein. Et vous faites vendre mes fesses, moi. Et quand je me mets que devant ma part de fesses, hein, ne joue jamais dans le marché, hein, parce qu'on me prend tout de suite. On va devoir mettre celle-ci. Et voilà. La chassinée telle que la mère de sa copine, tu vois, il y a 5 ans. Thank you.
La femme fait le perroquet. Tu jettes la femme. C'est moi qui l'ai jeté. C'est toi. Okay. C'est elle qui s'est jetée. Bon. Mais ton âme, on parle. C'est vrai. On a dormi. Ah mon bébé. Ah mon bébé, bébé, bébé. Ah mon bébé a tué. C'est ça que la banque a chanté ça a tué. Ils ont tué. Bon, on dirait que tu... Bon, il y a beaucoup de personnes. On dit que c'est sa voiture qui était là. On dit qu'on dit qu'on dit que... Mm-hmm. Bon, il y a beaucoup de personnes. C'est l'homme camerounais. Et c'est une histoire qui dure depuis juillet. Mm-hmm. C'est une vieille histoire, en fait. Qui revient maintenant. Parce qu'on a tué un copain. Ah, mon bébé. Ah, on dit bonjour. Ce n'est on pas dit ton bonjour. Enfant. C'est ta petite fille. Parce que la, c'est la fille de ta soeur qui a accouché avec du calot. Banjo. Tu vas l'occuper. Elle va grandir. Banjo. Lise Gloria n'avait rien fait que Lise Gloria pas même voir sa mère et son frère jumeau. Voilà, Lise Gloria est comme moi. Elle a son frère jumeau. Celle-ci, elle a sa mère. Je ne vous comprends pas. Hein. En tout cas, ça sonne tout aussi. Bébé, il y a 3 mois. On dit que tu fais comme le pingouin. C'est vrai. Non, je comprends. Je te comprends. Il vient de me réveiller. Est-ce que vous trouvez ça normal? Question. Mariba Pepe. Bonjour avec des cœurs, c'est gentil, merci. Merci. Et bonjour. Mbanjo. Ben, je voulais vous dire bonjour, que j'ai bien dormi. J'ai dit que décidé que maintenant, le matin, dès que je me réveille, je suis encore sur le. C'est ma mère qui m'appelle. Comme elle a une mission, je lui ai donné une mission depuis hier. Elle veut savoir si c'est toujours d'actualité. Mais pour l'instant, je suis en direct, j'ai coupé son appel. Et elle voulait dire bonjour aussi à sa petite fille. La femme, c'est son arrière-petite fille. Son arrière-petite fille. Et son arrière-petite fille, si elle aime le Congo, ça, quand il lance le dieu, elle aime les acconditionnés. C'est son arrière-petite fille. Parce que la fille qui a fait cet enfant, c'est la petite fille. C'est comme un amant, c'est sa petite fille. Donc toi, tu es de quel côté? Hein? Tu es sa grand-mère. Ce n'est pas ton enfant. C'est donc ta maman. Celle-ci, c'est ton âge. C'est comme si elle n'avait pas d'enfant maintenant. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire à manger? La journée, comment vous la prêtez? Mbo, tournez les salles qui là-bas. Pas, mon beau. Je te fais la capture, on va dire que ton nez était sale. Elle n'est pas contente du fait que je l'ai enlevé là. Elle aime le téléphone. Tiens, bébé, tiens. Bien, maman. Attendez, je vais chercher ça là. Donc j'ai dit, je me levais ce matin pour vous dire bonjour. Et je ne veux pas de langue, juste pour vous dire bonjour. Voilà. Et vous dire que j'ai passé une très bonne nuit. Mon programme d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de marches à faire. Hein. Je dois enlever la crête de coque là que j'ai sur la tête déjà. Je dois enlever ça. Puis j'ai fait quelques petits soins. Hein. Vous savez, j'ai un mariage samedi. Je dois être jolie, belle. Donc j'ai beaucoup de marches. J'ai beaucoup de choses à faire. Ouais, non. Donc ils sont-ils d'agresser ma mère le matin? Ils disent à ma mère d'envoyer la rue. Ouais, non. Tu dis après quoi? Voilà l'autre lionne qui dit que après quoi? Tu dis quoi? Ils sont-ils de menacer ma mère? Ils disent que ma mère doit envoyer l'argent. Ils ne savent pas que ma mère lui a dit, ma mère lui a arrêté, ma mère ne travaille plus. Je vais dire ça, laissez ma mère tranquille, laissez ma mère. Mais elle a que quand ses soeurs sont malades, elle les envoie l'argent. Mais quand ses enfants sont malades, elle n'envoie rien. Je vais dire. Elle choue ses enfants de naïf, ses petits-fils. Elle ne peut pas laisser la maladie là. Tu appelles Achille comme il a droit là. Il passe à. Il passe au fret là. Elle demande que tu appelles Achille comme il a droit là. Mais les gendarmes m'avaient dit la dernière fois que ce n'était pas encore arrivé. La dernière fois, quand moi, il descendait, on était là-bas. Voilà, le gendarme m'avait dit quoi? La vie, il faut aussi dire, parce qu'elle dit que je suis malhonnête. Pour elle, c'est que... Quand je descendais sur Yaoundé, on a dit que c'était malhonnête. Bon, pardon. Pardon, appelle ta fille. Tu lui demandes. Je suis en direct. Elle est en direct. Elle appelle Achille. Qu'elle n'essaie même pas de m'appeler. Qu'elle appelle Achille. Elle est en direct. Que tu appelles Achille. Mais ma mère va donner les coups. Ma mère a beaucoup de travail à faire. Donner, apprendre à certaines personnes à utiliser le téléphone. Achille a le WhatsApp. À décrocher le téléphone. À utiliser le téléphone Android. Oui, oui. Ma mère le travaille. Oh. Ma mère le travaille pour apprendre à certaines personnes à utiliser le téléphone Android. Nyanga Wadajama. Nyanga.
La meilleure copine. La meilleure copine, ma meilleure copine, le 9. Et je suis en train d'arranger. Oui, non, moi, je suis en train d'arranger la situation de la mère du 9. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que bo. Grâce, tu te rappelles ici, là, hein? Comment on insultait ta mère sur la toile? Oui. Tu te rappelles? On a filé ta mère, on est tombé sur vous, non? Marie-José va donner un coup de main à la mère de ma copine. Comme la mère de ma copine vient d'arriver, hein, ma mère va lui donner certains cours, lui montrer que le vert, le bonhomme vert, c'est pour traverser. Le bonhomme rouge, c'est pour attendre. Comment utiliser le téléphone? Décrocher et raccrocher. Parce que comme ma mère a fait les camions et lui montre aussi la route, lui montre aussi la route des camions. J'ai vu déjà que on a quand même déjà commencé un début d'allumer des collants. Les collants bleus. Comme ça, ma mère va mettre le collant noir. Elle va mettre le collant bleu. Elle va tenir sa main que vient à saut. On part. Donc, j'ai dit depuis hier que j'attendais ici Tafo et tout nous. Ce sont eux et les disciples du 9. Le 10 les appelle à la barre. Que maintenant alors, la vôtre est sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Question. On fait quoi d'elle? Elle est venue faire quoi? La vente du piment est finie, hein? Il n'y a plus. Vous avez entendu hier, Marie-José a dit qu'elle part prendre les cours. Là, c'est trop long. Ouais. Puis ça demande après, il y a toutes les choses qui étouffaient ma part. En tout, j'étais obligé de supprimer certaines choses. J'ai cherché la vidéo là. Avec moi, ce n'est pas comme ça. Parce qu'avec moi, c'est le remember. Non, tout le monde est content. Moi, je viens avec la. Non. Non, ce n'est pas sincère. Mais je t'avais envoyé ce nom. C'est pas vrai. Ne dis pas que j'ai déjà tout effacé. YouTube, c'est trop long. Moi, j'aime les vidéos qu'on coupe. Ça tourne, ça veut dire que ouais, il y a wenge échec, donc j'ai supprimé. Je vais trouver ça. Ça doit être dans les fichiers. Vous allez voir comment elle lave, maman Anna. Oh! Ma part de maman lave, qu'on a lavé là, c'est petit. Donc, tu vois moi ça. Là, voici, c'est qu'elle est, le jour qu'elle m'insultait, elle est contente que. Elle a tout dit beaucoup de choses. Le jour là, alors, n'est-ce pas, elle a fait pause de publicité. Elle était sûre d'elle. Attendez.
voilà une personne que je connais qui va frapper fort, qui va framponner. Parce qu'elle est toujours sûre que la honte allait te tuer. Là, voici ici. Il connaît souvent frapper et il frappe très fort. Oh, papa. Allô? La tristesse continue. Non, j'avais une vidéo là. Attendez, où je vais chercher ça? Il faut que j'entre dans mes vidéos. Vous allez entendre. Oh, les remember. Je vais aller à dans mes réels. Ah ouais? J'avais mis ça dans mes réels. Lolo était soft. Bon, ça est sans pitié, hein. Donc, il faut être sans pitié avec elle, parce qu'elle, ouh. J'ai jamais vu une femme aussi méchante qu'elle, hein. Ouh, ça. Hein? Pas grave. Je ne sais pas si toutes les vidéos de contenu. Voilà, toutes les vidéos que j'ai mis. Alors, là, il y en a plein. Hein? Il y a quoi? Comment va Yacouba avec les commerçants de Facebook? Vraiment. Tout à l'heure, j'ai noté Yacouba. Yacouba va nous animer. Comment venir sonner? C'est moi qui prends la doute. La doute. Il fallait avoir. Maman, les yeux de l'argent. Même ma crèche. N'est-ce pas que tu tenais avec la petite fille aujourd'hui? Aujourd'hui, elle va d'abord dire à son père. Qui est son père? C'est son père. Elle a dit que va voir ton père. Tu n'es pas sûr que tu iras au mariage de gazoulette, mais comme elle t'aime bien, va t'inviter par procuration, que viens aussi. Mais tu ne ramènes pas 5 ans sur la petite là. Tu as vu? Normalement. Non, Ngoza n'est pas sa mère. Ngoza, c'est sa grand-mère. C'est comme aujourd'hui, Enamongoué. Je te dis, là, tu es la première personne qui insulte les mères, les gens qui détestent les tombes, les gens qui font ce singo ça. Mais quand c'est moi qui parle, oh, tout le monde sort. Quand elle avait fait une vidéo, j'ai vu une vidéo que je ne vous ai même pas montrée, qu'elle dit que les gens qui insultent, maman, tu as déterré le père de Mini Minon ici. Mini Minon avait eu un drame, il y a eu 3 personnes qui sont mortes. Tu as déterré, jusqu'à montrer le cadavre de tout, de Virus Ninja. Virus Ninja a quitté là-bas l'Allemagne. C'est moi qui ai arrêté Virus Ninja. J'ai vu ce que petit soeur vient. Virus Ninja, elle a bu. Une bouteille de Black Label ici, avec Coca. Elle avait ma sœur, c'est attrapée. Elle est debout. Il fallait venir, non, n'est pas très forte. Elle allait te cogner, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Elle a même été tuée là-bas. On a appelé la police. Mais quand c'est pour moi, hein. Mais vous oubliez trop vite, parce que vous les aimez trop. Tout le monde a fait ça ici. Ngoutu qui est morte, elle m'a donné mon argent de tontine. Elle est partie avec mes 3500 euros, 700 euros. Où est ça? C'est lui, j'ai fait ça parce que vraiment c'était ma personne. Mais elle se comportait très mal. Si je ne faisais pas ce que j'ai fait là, les gens arrivent dans son pays. Hein? Faut me remercier, hein? Les gens arrivent dans son pays. Moi, quand j'étais arrivé, moi j'étais à Zurich. Il fallait venir la veuve et voilà quelqu'un qui soit avec les cordes. Il y avait ce moment-là qui avait mis sur les cordes. Le canard trimballait les cordes jusqu'au délai là-bas. Vous savez, les choses vont réellement à deux balles, nous sommes là. J'ai dit zéro par Facebook. Laisse-la avec Tatiana, il a tué Tatiana, parce que tu ne vis même pas avec lui. Il a sa maison, tu vis chez toi. Voilà ta page. C'est lui qui est. Il fait quoi de la page là? Et rien pour ta nuit. Tu es obligé de supplier. Que vous voyez pas. Pendant que vous la page là, non. Je vais seulement faire parce que je dois monétiser cette page, ça va me faire. Parce que tous les étoiles qu'on t'avoir là. N'est-ce pas, nous sommes les 22. On va nous payer d'ici aujourd'hui et demain, non. À partir de 21, on est payé, non. Il y a beaucoup de montants. Tu n'auras rien. Mais t'as pas récupéré ton argent, c'est quand tu as 10 000 abonnés que tu prends quelque chose. Hein? Un pétard. Continue à envoyer les étoiles. C'est méta, comment on appelle ça? Zuckerberg qui va prendre ça. C'est quand tu as 10 000 abonnés que tu récupères ton argent. Vous envoyez un or rien. Voilà ton PayPal là-bas.
Tommy, tu as sorti ça. Maman, donne 300 euros. Mais attends, vous faites même quoi avec la fille ici? Tu fais la confiance des voitures? Ma première voiture, c'est une Mitsubishi. La deuxième, ML, Mercedes. Tu m'entends? Ici, Porsche. Même si ils sont là aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais je ne peux pas permettre qu'une petite esthérile comme toi me parle fort. Je vous laisse. On va voir. Moi, je suis sérieux. Moi, je fonctionne sérieux. Je fonctionne avec les gens. C'est tout ce que tu as dans ta vie. Tu t'en as dit, Nadine, papa, qui va conduire. Elle a dit qu'elle a besoin de conduire. C'est tout le monde qui va conduire. Nadine, papa, c'est les gens qui la conduisent. Toi, tu quittes loin. N'est-ce pas, tu as vu quand tu es venu au Déléchata ici, comment t'as fait là-bas? Comment t'as ignoré là-bas? Tu as parlé de ça? On t'a ignoré. Là-bas, c'est ma famille. Oh, ouais, non. Là où tu es. Moi, je suis allé à l'église parce que j'avais quelque chose à faire. Mais j'étais quand même au deuil. Quand la fête s'est assurée, j'étais là. Donc, voilà. J'étais allé balayer à Mougo. Continue à vouloir entrer dans les fêtes. Tu vois, on te voit pas ce que tu fais. Regarde les gens qui t'ont mis en haut. Regarde comment tu les traites. Même s'il y a eu quoi. C'est un gros ça. Tu vas t'en sortir de la vidéo aussi. Attends. Tu vas dire là où ma mère, les cartes, là où mon frère, Agnès, avec ma mère. Tu vas dire ça. Tu ne connais pas que c'est ma qui avec là. C'est mon frère jumeau. Et tu as pris des le frère jumeau. Et tu as pris des langues de nuit dedans. Raymond Tiendan. Pour que. Donc, ça veut dire que c'est lui qui t'envoie. Envoie au tribunal. Parce que je ne sais pas ce que tu prends. Ce que tu es parti prendre au Cameroun, ça ne te va pas. Hein? Maman, tu as vu comment c'est venu? Là, les blancs qui courent derrière moi. C'est son père. Elle a pitié de toi. Tu as insulté la maman de la petite fille ici. Oh, c'était une junkie, un machin. Elle a abandonné l'enfant. Ce n'est pas la baleine qui a donné les papiers à Pangosa. Que Pangosa, tu t'as donné les papiers. Ou la baleine, ou c'est pas ça. Tu as oublié ça. Tu as oublié trop vite. Hein? Patrice, celui qui a le restaurant à côté du Titan là, à Pierre Clichy, nous, le restaurant là, quand on sort dans la nuit, on va en Ghana là-bas. C'était son ami. Et je le connais très bien, ce monsieur. Tu veux que je t'envoie sa photo ici à Facebook? Papa, avec ta bouche! Oula, les abeilles sont rendues que c'est qui ça? Avant, on appelle les pédégistes. Ils sont allés payer les asticots, les cafards, et ça. Ils sont allés verser dans les toilettes du restaurant de ce monsieur, ou c'est à Lyon, ou c'est à Bordeaux, ou quoi. Voilà les petits blanches qui partent aux toilettes. Qui est? Et puis partout. On trouve quoi? Les asticots, les millefeuilles, tous les petits insectes, je ne sais pas comment on appelle ça, étaient dans les toilettes. Fermeture administrative, tout de suite. Toi, toujours. Et tu crois que le type là, il avait une petite vie rangée. Tu viens, moi je soutiens mon beau-frère. Parce que je ne sais pas pourquoi il est venu dans ton Dieu pour parler de Boba. Alors que, il a vu comment tu insultais la femme. Ma vie, mais comment ça? Regarde, tu vas lécher d'abord ces chaussures. Pas celle-ci, l'autre là-bas dans le bordel là-bas. Tu vas la lécher. Parce que moi, je porte les 12 cm. Je suis classe. Tu vas lécher d'abord les chaussures. Tu vas demander pardon. Et je vais te garder au commissariat. Pendant 3 jours. Je vais te montrer qui je suis. Comment tu as la gueule. Parce que quand tu es assis dans ton. Dans ton télépodium là. Je repose l'âge. Regarde-moi très bien. Veillez à mine. Tu sais qui je suis. Je repose quel âge. Il faut voir comment il danse. Quand son président, le président a dit que derrière un arbre, il faut lui dire que derrière le Nanda, il y a la tour Eiffel. Veillez à mine. Nous sommes allés. Et Namungo sera devant. Je suis Namungo. Ma mère me suit. Mon frère suit. L'an demi suit. Sa femme suit. Toi, tu suis. Et tu prononces bien son nom dans cette vidéo. On va aller nous tous. Et moi, je vais montrer à ma soeur aussi, mais je suis. Je baise avec les chiens. Bien avec celui qui est samba parce que Namungo est dedans. Oui. Dès que je peux là, je vais à ma deux mes enfants. Allons au Cameroun.
vous arrivez à te pister. On va réparer. Et lui, il avait appelé dans mon direct. Écoute, il est vraiment peur. Oui, j'ai quand même. Écoutez, l'histoire commence à commencer. Hein, de cette chose. Alors, non, vous savez. Je cherche la vidéo. Attendez. Écoutez, comment l'histoire a commencé. Une histoire banale. Et j'étais enceinte de Dieudonné. Vous savez, je n'ai jamais dit que je suis quelqu'un d'honnête. Je suis malhonnête. Je suis malhonnête comme tout le monde. Mais là, les petits pouvoirs que tu as là, tu n'as une femme sans cœur. C'est pour ça que Dieu t'a puni. Tu vas passer ton temps à la ramasser. Les gens qui vont te repasser le corps. Tu parles de monsieur Degremont. Que quoi? Que monsieur Degremont a fait quoi avec mes enfants? Que ma fille est finie. Tu as avec mes enfants un jour? Tu vois, moi, je m'intéresse à la noix là. Parce qu'elle ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas ton enfant. C'est pour ça que je ne peux pas la permettre. La première fois que je l'avais vue, là-bas au deuil. On est tenus tous au deuil. C'est juste que tu es insulté, que j'étais salué, que tu me salues pas. Tu étais avec ta cour, fleur de lune. N'est-ce pas? Elle était là. Elle ressemblait à quoi? D'abord, le gars était, elle n'aimait pas d'abord. Tu avais dit qu'elle devait être mise ou quoi? Elle peut être mise. Tu as vu sa taille? Vraiment. Ma fille, elle ressemble. Elle ressemble à sa mère, à son père. Comme la petite, ta petite fille. Parce qu'elle est comme un amoureux. Tu n'as pas fini avec un amoureux ici. Un amoureux suisse les finir avec moi. Elle veut les finitions. Moi, je suis un amoureux à ma mère. Il y a quelques mois, ils étaient en couleur tout ensemble avec ma mère. Et tu parles des inepties comme ça, et tu prononces bien, même pas comme mon père. Tu dis là, vraiment, tu es grand, parce que tu sais que la vidéo allait être coupée. Nous tous, on va aller. On va se mettre à rang. On va aller. Moi, si j'ai là où ma soeur m'insulte, parce que je n'ai pas envie de mettre ça dans les réseaux sociaux. Nous tous, on va aller. Vous croyez que j'arrive les réseaux sociaux pour rien? Pour rien? Il n'y a pas question. Quand vous parlez français, elle est illettrée. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Il n'y a pas que elle est illettrée. On va aller. Et puis tu vas lécher. Tu as vu la carte jusqu'à moi, je porte non. 12 cm. Ça, c'est les chaussures d'Aldo. Tu connais la marque Aldo, non? On paye ça la défense Aldo. Ça là. Demande à Aldo. Demande à des commandes. Ici, les habits. Les chaussures. Regarde-moi ça ici. Regarde-moi cette petite chose aussi. Cet insecte. Tu as mal-être. On t'a tabassé depuis que tu es petite. Tu as appris quand quelqu'un m'a giflé. Oh, une petite m'a tabassé chez moi, t'as pas mon téléphone. Pardon? Moi, tabassé pas mon téléphone. Ici chez moi. Peut-être que c'est toi. Parce que j'ai l'impression que tu fais un transfert. Comment tu as vécu malheureusement? Tu n'aimes pas ma personne. Parce que quand on me voit avec tous les hommes avec qui j'ai couché, tu me bagarrais pour lui ici à Paris. Mais pourquoi tu savais que je sortais avec lui? Pourquoi tu avais venu m'agresser? Il fallait venir m'agresser. Parce que tu es une agresseuse. Tu as fait ça avec Fleur de Lille partout ici. Elle fallait la voir celle-ci. J'ai pitié de toi parce que tu es malade. Tu veux t'arracher le dentier. Regarde une femme, les dentiers tu portes, les yeux, les problèmes. La peau, le cancer. À l'intérieur des sudans, avec le beau intestin qui sont les cacalas. Et tu me parles toi aussi. Une assistée. Filme la boîte à lettres. Ce n'est pas ton nom. Tu souloues partout. Ici, c'est Degremont. Riani. Mon mari m'a laissé parce que je connais ma vie. Tu connais le film qu'on appelle Noir. Il habitait chez moi. Hein. Là, c'est une blanche qui habite là. Bientôt, là, je vais la chercher là-bas. Quand il y a un problème, c'est moi qui arrange. Oh, il y a des stores, on fait ceci, je m'en vais, j'appelle les gens là pour les stores, ceci, on va arranger. L'endemain, t'as pas dit que je suis populaire. Même si je vis ici. Tu sais pourquoi je me suis retrouvé ici? Tu sais pourquoi? Va épouser un blanc. Toi, tu as épousé un gouvernement, tu es où? Une fille comme tout, ça choqué. Tu payes, tu as quand même payé. Tu vas couler avec le corps que tu as, belle. Mais tu aimes tellement les noirs, tu viens de te ici. Ça fait même pas quand que je venais sortir de l'hôpital, quand j'ai perdu mon pauvre Dieudonné, que tu as mis dans ta page. Tu es une femme profondément jalouse et méchante. Moi, je suis parti faire, je n'ai pas coupé sur elle. J'ai enlevé l'utérus. On est d'accord? Mais toi, tu as enlevé l'utérus, il y avait quoi dedans? La fausse sceptique? Il y avait quoi dedans, les serpents?
Je veux prendre encore le miroir, le tout, si je veux t'envoyer au con. Si on dit maintenant que qui on va vendre, moi je vais te vendre. Ah oui, femme là. Je te vends, femme là. Tu sais d'abord qui? Tu bouffes l'atmosphère, tu pollues l'atmosphère de Facebook. Tu es là, tu parles, là tu joues. Ne mets plus l'invitation que tu mets là. Tu ne sais pas quoi? Je suis bête, tu peux être plus bête, madame Negremont. 48 ans. Classe. Là, toi, le ventre plein, le derrière plein. Tu ne peux pas, tu es une petite fille, tu es une souffreteuse, tu vas commencer à souffrir. Je suis allé prendre mes bâtards au pays, j'ai amené ici. Ce n'est pas beaucoup. J'ai soutenu mes frères, ma mère et tout. J'ai construit. Hein? Ce n'est pas beaucoup. Le premier bar que j'ai payé, ça chez qui? Chez ta maman, la femme de l'an 2000, non? On ne t'a pas. Parce que tu veux que tu as quel âge? Ngoza. Et le père, c'est. Tu as quel âge? Regarde-moi celle-ci. Cocaïne, drogue. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'argent. Je peux me permettre de. Quand je l'achète, je peux prendre une cigarette. Je peux pas. J'ai préparé aujourd'hui. J'ai préparé la poudre dure. Tu vois, je te montre. Tu sais ce que je veux manger ça? Il faut l'avoir au pays. Quand il y a les petits viennent là, on joue à Brésil. J'ai dit, comment c'est ici? Moi! Quand ils sont plus morts. Les copines de mes frères, c'est qui? Maman, nounou, tu manges quoi aujourd'hui? On me prend comme une princesse, t'as fait les boules, c'est ça? C'est comme ça. Ce sont mes frères, mes. Qui écrase les condiments quand je viens ici avec. Les mains se tout ça quand on t'a dit comme toi. Hey, envoie-moi 50 euros. Tu es au pays. À côté de l'année 2000. Et tu demandes encore 50 euros à part ma femme. Toi, tu demandes tout. 50 euros, tu demandes. Hey, et les noirs sont très brutales. Je veux les blancs. Quoi ça? Donc, toi, tu veux tout. Je me les remember. Attends, je vois là. Le tout gain. Les remember, vous allez écouter comment elle supplie. Tu veux le blanc, donc l'air ne passe pas. Mais attends, dans ta maison là, il n'y a pas. Tu n'as jamais vu à la fenêtre. Hein? Hey, je ne fume plus. Tu as l'argent pour fumer. Tu peux payer les cigarettes. C'est maintenant 12,50 €. Hein? Moi, j'ai tout. Moi, je sais déjà rouler. Voici ma machine à rouler. Voici le tabac. Mais comme je n'ai pas de l'aide. Je ne veux pas perdre mon temps. Je perds mes cigarettes. Rien à foutre. Tu t'attaques toujours aux gens que tu ne connais pas. La première fois que j'ai voyagé en haut, c'est la fois que tu l'as fait. Bon, ça a changé. Mais il fallait pas aller à comparer le côté de la piscine. C'est très beau, hein. Il fallait les voir. Elle avait du dernière. Comment c'était assis? Assifié. Tu resteras esclave. Tu es né esclave et tu vas mourir esclave. Tu es une suiveuse moutoumi. Tu es tellement méchante que. Tu parles de ma mère. Tu dis qu'elle est moussa. Antiana. J'ai fait la vidéo aussi. Heureusement que moi aussi, parfois, je m'en ai regardé les remembre. Mais si. Le poussien. J'ai dit que tu vas lécher seulement les chaussures. Tu vas rester. Moi, je te dis. Moi, je te mets rien. Ça va se passer étant ici. Va au pays, non. Demandez bien là. Il faut bien cotiser, hein. Ne conduisez plus dans le. Moi, j'étais trop, j'ai pitié de toi. Ne conduisez plus dans les. Mettez plus les étoiles. Hein. Ok, les étoiles que vous les mettez là, comment on n'a pas encore 10 000 abonnés? Regarde-moi, il va te prouver, t'as la con. Tu es incapable, même quand tu es en direct. Incapable de dire que abonnez-vous dans cette page. Et non. Oui, parce que tu ne dors pas. Il faut que tu framponnes. Il faut que tu ridiculises. Tu peux ridiculiser une femme comme moi. Une femme élégante et chic. La maman des immeubles. Tout ce que tu as, tu n'as rien. Au fond, quand tu regardes au fond, tu as quoi? Hmm? C'est toi qui as fait venir ta main ici. Ce que ma mère n'était pas bien fait quoi ici? Si ma mère, maintenant que j'ai une bonne situation, j'ai un pavillon, j'ai une belle maison avec piscine et tout, ma mère va venir. Donc ma mère va venir ici, vous venez prendre les escaliers. Vous venez voir ma vie. Alors, elle t'a dit qu'elle a besoin d'argent. Tu as insulté ma mère depuis des années, j'ai suivi ceci, parce que ma queue. Tu continues. Mais pourquoi tu la prends ma mère? Quand. On a dit que ta mère
a accouché avec son frère. Tu es né. C'est pour ça qu'on t'a rejeté. Toute la famille t'a rejeté. Je connais toute ta vie. Et toi, tu me parles. Tu parles la dame, la femme d'un commandant qui est mort. Comment quoi? La maison là, la maison de personnes accaparées. Tu connais ma vie. J'ai tout un camp, ma chérie. C'est moi qui construis. Et j'ai des terrains. Et j'ai mon ampoule rouge. Ce n'est même pas pour mes enfants. C'est pour qui? C'est pour les enfants de mon frère. Tu vois que moi, je vais aller vivre là-bas. Moi, je m'en vais en Australie. Je vais la croiser, s'amuse. Je m'en vais faire. Je veux, comme j'aime danser là. Mais non. Regarde, je vais ouvrir le champagne là. Je veux le champagne. Tout le monde n'a pas la même vie. Alors, si tu demandes à Michel, c'est d'envoyer 100 euros. Je ne demande rien. J'ai mon cul. J'ai mes fesses. J'ai fait mon allô à l'eau. Je m'en vais à l'hôtel. Voilà un homme qui m'attend à l'hôtel. Si tu veux, je vais à l'hôtel. Tu le tortures d'abord bien. Je dis, ben, je suis allé m'accrocher sur mes amis. Et puis, ben, voilà. Je viens là-bas. Et je suis ma Elisa, merci d'être venue. Si on donnait l'argent là, si on me donnait les dos, n'est-ce pas, on est ici à la maison. Il n'y a pas de vie là. Lui, il préfère aller donner l'argent à ses frères blancs. Il paye une chambre de 300 euros. Ah ouais? Et moi, j'ai quoi? Si peut-être ça, il me donnait. N'est-ce pas, moi, il a dit que oui. Donc, moi, je vais quitter ici. Là où je peux même vite faire bien faire ici. Pour aller trouver l'hôtel là pour dormir. Pour rien. C'est toi qui dois les hommes pour rien. Moi, c'est ma calculée, ma plan. Abîme-toi. Renseigne-toi très bien. Et je n'irai même pas à son hôtel. Il va dormir là-bas tout seul. Ici, il n'y a pas de lit ici. Il me l'a malé avec mon bordel là. Ici, il n'y a pas de lit ici. Il n'y a pas de lit ici. Pourquoi il faut qu'on aille? Il va appeler l'hôtel. En plus, c'est quelqu'un qui ronfle. Non, c'est moi qui n'ai pas l'argent. Avec des ronflements dans les oreilles. Est-ce que ça marche? Quand il y a l'argent, quand quelqu'un ronfle, n'est-ce pas, on est content. T'as tiré au sol là-bas à la pierre. Tu adores ça, tu es mazo. Mais malheureusement pour toi. Alors là, mazo, plus mazo que tu n'as pas. Il est payé des blancs. Tu demandes à pas, mais ça que tu veux moi les blancs. Hey! Ah, il est là. Regarde, je vais ouvrir le champagne là. Je veux le champagne. Tout le monde n'a pas la même vie. Alors, si tu demandes à Michel, c'est moi t'envoyer 100 euros. Je ne demande rien. J'ai mon cul. J'ai mes fesses. J'ai fait mon allô à l'eau. Je m'en vais à l'hôtel. Voilà un homme qui m'attend à l'hôtel. Si tout à l'heure, je vais à l'hôtel. Tu le tortures d'abord bien. Je dis, ben, je suis allé m'accrocher sur mes amis. Et puis, ben voilà, je viens là-bas. Et tu entends, ma Elisa, merci d'être venue. Si on me donnait l'argent là, si on me donnait les dos, n'est-ce pas, on est ici à la maison. Il n'y a pas de vie là. Lui, il préfère aller donner l'argent à ses frères blancs. Il paye une chambre de 300 euros. Ah ouais? Et moi, j'ai quoi? Si peut-être ça, il me donnait. N'est-ce pas, moi, il a dit que oui. Donc, moi, je vais quitter ici. Là où je peux même vite faire bien faire ici. Pour aller trouver l'hôtel là pour dormir. Pour rien. C'est toi qui dois les hommes pour rien. Moi, c'est ma calculée, ma plan. Abîme-toi. Renseigne-toi très bien. Et je n'irai même pas à son hôtel. Il va dormir là-bas tout seul. Ici, il n'y a pas de lit ici. Il me l'a pas. Tape fort si je dors. Je vais venir taper fort. Après, je vais peut-être que j'étais là. Voilà. Il n'y a plus la cabose où tout le monde paye. Une électrée. Une attardée mentale comme celle-là. Écoute, on l'avait même pas. Batteries medium. Connected to Galaxy I-034. Batteries medium. Connected to Galaxy I-034. Galaxy I-034. Disconnected. Ready to connect. Ils ne sont même pas encore violents. Ils vont être plus. Ils vont te tabasser bien le tout aussi. Les blancs sont violents. Les noirs sont violents. C'est ce que tu aimes. Tu as de la violence, non? Galaxy I-24. Disconnected. Connected to Galaxy I-24. Ne commence pas avec moi, Alessi.
Oukou, mon grand frère. Voilà ta petite soeur qui va caler ici là. Envoie 50 euros à ta petite soeur. Okay. En tout cas, on va causer par rapport à Aline. Il faut qu'on la mette un peu, on la mette un peu à la carte. La femme n'est pas très honnête avec nous. Elle est très... À tabé longue. Aline, zoom, bama, à tabé longue. À tabé longue, oui. Aline, zoom, bama, à tabé longue. Donc, c'est dans les rihagne, dans la même équipe, la graphie. Elle n'est pas à tabé longue, à tabé longue. Mais moi, je ne suis plus avec elle en tout cas. L'hypocrisie, que c'est pas l'hypocrisie. Tous les vidéos chiens, tout ce qu'elle envoie à Facebook, tout ce qu'elle montre pas dans ça là, elle envoie d'abord ça à sa copine. Hein. Et c'est sa copine qui lui dit que, vas-y, moi je suis ici, on me dit tout. Marie Christine, c'est à ta belle longueur. Parce que Marie Christine, vous avez mis la prospective, la soirée de Cancan. Ta belle longueur. Allô, mon grand frère. J'espère que tu vas bien. Tu es au courant du livre. Je veux te montrer que ton an 2000 n'est pas fort. Dis-moi quand tu arrives. Je ne veux pas seulement que tu arrives. Même là-bas, on vient te prendre devant tout le monde. Je te demande qu'on filme. Tu ne me connais pas très bien. C'est-à-dire que là, la vidéo, si je veux qu'on la coupe, je vais envoyer à tout le monde. Okay, écoutez. Je vais envoyer à tout le monde. On va voir qui va chambé. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Comme tu es là, quand tu entends, tu tournes tes fesses. Tu es content qu'on va arrêter la bombe. Tu crois comment on va m'arrêter? On peut m'arrêter au Cameroun, moi. Qui t'a menti ça? On peut m'expulser, qu'on m'a expulsé et pas m'arrêter. On a perdu de la honte. Tu as fait quoi? Enfant, tu n'as pas. Mari, tu n'as pas. Voilà celle que tu as dit que ma fille, où c'est gaz, elle dit que ça. Là, voilà. Elle va se marier. Mais avant, elle va d'abord dire à son père. Elle dit, hé là de tout. Il faut la voir comment elle parle. Hé là de tout. Elle dit, bah, tu vas voir ça avec papa. Hein. Donc, ouais, tu vois, tu as fait comme ça pour elle. Mais aujourd'hui, elle n'est pas où? Chez son père, chez son vrai papa et sa vraie maman. Tu es une nourricière. Champagne. On va se attendre, je bois dans un verre de champagne. Tu vois, moi, je bois le champagne. Oh! On va aller. Ta gueule là que tu fais. Parce que toi et moi, n'est pas pareil. Tu sais pas que les chaises où tu es assise, c'est Carole là. Quand tu t'adores là, la chaise que tu es assise, c'est moi qui ai payé les chaises là. Tu sais pas ça? Hein? On était dans une voiture climatisée. Les voitures de... Mais quand tu bouges dans un vieux coucou ici, une Subaru. Subaru, mon ami, mon tête que j'aime. C'est toi. Cristal. Non, maman, ça doit être fermé. Moi, je suis interdit. Je ne peux pas boire quelque chose qui est... Oh, sa santé. Moi, je ne parle pas. C'est ce que tout se passe. Subaru, mon ami, tu es que j'aime bien. On va aller. Parce que tu danses. Parce que tu aimes la mise à mort. Elle adore qu'on arrête les gens. Ta vie, c'est ça. Tu es méchant parce que tu n'as rien fait dans ta vie. C'est pour ça que tu t'entends parler de ta famille. Mais toi, tu as fait venir ici. Qui ici? Ta maman a fait @yahoo.fr. Elle a tapé, elle a tué son vieux blanc. Hmm? À Internet. Chasseur français, tu connais chasseur français? Hein? Elle a tué sa part. Ils font les champs là-bas. Où elle fait quoi? Je n'en ai rien à foutre. L'histoire est sortie, c'est que le blanc de ta mère, toi-même tu as le bon binda avec lui, il n'aime pas te voir chez, il n'aime pas te voir. Hein? Quand il a été Napoléon ici, je ne sais pas si c'est la rue de quoi même là, ici, où c'est Diana, ça. L'hôtel Napoléon, les vieux hôtels là. Cette année, elle a été fait venir à Paris avant. Tu allais être maquillée comme elle. Mais elle s'est maquillée tout seule. Elle a pris Trésor Béa. C'est là, bébé, la maquille.
Et toi? Tu étais là comme ça. Une teubeu. Une teubeu. Regarde-toi. Tu vois qu'elle va coller son image à toi. Quand tu parles d'image, je suis marqué déposé. J'ai quand même des employés au pays. J'ai quand même fait des épaules libératoires. Moi, j'ai mes enfants. Hein. Insulte-moi. Moi, je ressemble à quelque chose. Au moins. Moi, j'ai eu des enfants. J'ai quand même eu une belle vie. J'ai mon appartement. On ne me repasse pas, on ne me tape pas. Quel karma qui existe? Ngoz, ça bouffe le karma. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est profondément méchant. Donc, toi qui te dis qui? Tu es d'accord avec ce qu'elle fait à Parmesan? La même chose qu'elle fait à Parmesan là. Elle va faire ça à l'an 2000. La même chose qu'elle fait à Dachana là. Invite-la chez toi alors. Après, tu es un gigolo. Tu es là uniquement pour l'argent. Invite-la chez toi. Qui peut l'inviter? Invite-la aussi chez vous. Pourquoi? Je te le dis pas. Pourquoi la Britannia est là? Elle est partie à Londres. Hein? Pourquoi elle ne l'invite pas? Parce qu'elle a peur. Elle a peur des conséquences. Voilà sa propre fille qu'elle a élevée. Sa fille que son mari. Elle a insulté la maman de la petite fille ici. Oh, qu'elle est droguée, qu'elle est ceci, machin, tout. Pourquoi on t'abandonne? Tu vois que ce type avait ton avis misérable, ta vie misérable que tu vivais. Tu squattais partout, il faut laisser l'enfant. C'est à cause de toi qu'on est parti mettre les cafards dans les toilettes de son restaurant. C'est un type administratif. Il a vendu son rabais. Il est parti se ressourcer au pays. T'abandonner avec l'enfant. Tu m'entends? Et après la bagarre, tu as fui. Tu es parti à Rouen. Tu avais tellement les plaintes partout. Tu bagarrais partout. Hein? Là, voilà aujourd'hui. Hé, hey, ma fille, la dot de ça. Ah, la honte peut te tuer. Tu demandes à la fille dit, ah ben, il faut voir ça avec papa. Hein. Parce que c'est elle va faire son mariage chez son père. La honte allait te tuer. Pourquoi tu ne réfléchis même souvent pas quand tu fais ce genre de choses? Tu as aimé ce que tu seras invité au mariage. Mais tout ce que tu fais là. Merci. Oh, où c'est Gazoulette? Je ne sais pas comment la petite fille s'appelle. J'ai vu la vidéo là quelque part là. La honte pouvait te tuer. Tant que tu arrives à la vidéo, les gens ont déjà enregistré. D'accord? Donc, fais très attention. Le karma existe, hein. Ngoza a tout le karma de la terre. Sa maman l'a humiliée. Elle a parlé à ma coco. Est-ce que tu penses que le type là peut t'inviter? Si on t'invite, c'est pas procuration, parce qu'on a pitié de toi. Comment t'inviter à son mariage de la fin, là? Profiteuse. Toujours pas. Et la dot. La dot, la dot. La petite a répondu en plein direct. Non. La dose, c'est papa, hein, c'est papa qui va régler ça. Elle a dit, hein? Elle dit, oui, c'est mon papa qui règle ça. Hein. Donc, on va donner la dose à qui? À son papa, pas à toi. Tu es d'abord sûr que le type là, le porte bien au cœur. On est ici. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer dans quelques jours. Une grande nouvelle. Champagne, quoi. Ça, c'est un bon putain. Oh là là. On m'a appelé ça, c'est Nicolas. Et quand même, boire le champagne qui n'est pas fait, ce n'est pas bon quand même. Élever tous les enfants des gens. Ils vont grandir, ils vont aller chez leur famille. Hein. Quel est le cas ici? Beaucoup de cas ici. Il y a même certains qui ont fait la prison ici. Donc, tiens. Oui. Elle est née dans les sectes. C'est moi qui avais dit sur Facebook. Les vidéos sont là qu'on a insulté ici. J'ai dit, oui. C'est soit chez les Duncan, chez les abeilles là-bas. On les appelait les pédégistes. Parce qu'avant, ils étaient pédégistes. Et c'est moi qui trouve le nom d'abeille. La reine, mais la reine. Une reine doit avoir. C'est moi là-bas. Africa Woman. Sweet mother. Sweet mother comme moi. Une grand-mère. Bon, ouais, c'est pas le bon négoce. Pourquoi tu ne me coupes même pas les vidéos? Attendez, je vous mets. Tu sais, coupez pas les vidéos là. Tu enlèves les vidéos là. Tu enlèves pourquoi? Faudrait pas enlever. Oh, donc sa fille lui a dit, je viens de présenter quelqu'un. Elle est qui directement avec la dote. Hey! Elle dit non. Tu savais papa, hein? C'est papa avec maman. Tu sais que c'est à elle là que moi j'ai fait. Parce que tu fais souvent comme ça, là, que elle fait souvent comme ça, c'est lié. Tu envoies que les cœurs. Écris un peu, non? Tu peux écrire. Voilà ton compte
Elle chancelait que ton mari, qui te repasse tous les jours, qui te dose, non seulement qui te dose des coups de pénis, il te dose partout, il te repasse. Tu es toujours là. À cause de toi, apparemment, à cause de toi, à Rouen, tous les hommes, les femmes gardent leur mari dans les maisons. Parce que toi, tu es sans pitié. Si j'étais à Rouen, parce que tu as quitté Rouen, je ne suis pas ta chienne, tu ne me connais pas. Et Johnny, là. Moi, j'ai dominé les filles blanches ici. Seule la côté femme, c'est. Allez, Champs-Élysées. C'est facile là-bas. Un mot. Pas à Paris. Et pas à Saint-Denis. Paris, même Paris, c'est une ville. C'est une grande ville capitale. C'est la première ville de la France. Après, c'est, je ne sais pas quoi, Marseille et tout ça. Pas ici. On ne veut pas la qualité à Saint-Denis. On veut les femmes qui innovent, les femmes qui réussissent, les femmes qui construisent comme les maisons à l'heure. Tu n'as pas honte que tu es dans la maison que ta mère a construite. Alors que c'est normalement toi qui devais construire cette maison. Le petit dernier terrain que tu avais, la market, que les vieilles joues que tu avais, tu as vendu à combien à Oja? 500 mètres à combien? Il n'a aucun signe. Même tu n'avais pas vu le jour d'abord, était là-bas, maman. Et le jour de la soirée de Kokam, compétition était très nerveuse. Je n'ai pas compris pourquoi. Maman, il fallait avoir une installée qui vient, son ennemi qui entre. Maman, on filme. Moi qui entre, tu vois comment tout le monde se. Quand elle entrait, elle croyait que les gens allaient se lever. C'est comme ça que moi, je vais filmer du voyage. Donc, bon, ça entre, on annonce son entrée. Et moi, je suis là depuis. C'est comme ça alors que je crois pour aller fumer seulement dehors. Parce que moi, j'ai dit, non, pardon. Non, on va rentrer. Il me dit, oui, mamie. C'est comme ça quand j'attends que. La maman joyeuse est où? Quelqu'un m'a appelé, vite que peut-être là, si ce n'est pas vous, si vous ne voulez pas que la soirée se finisse ici. C'est comme ça qu'on m'appelle quand je rentre, tu vois comment les gens, tu vois comment m'a accueilli, mon entrée était bien acclamée. Mon entrée était acclamée. Il faudrait voir qu'elle entre. Elle croyait qu'elle va aller là où les tapis rouges, là-bas, là où les milliardaires entrent. On a dit que, right, c'est ici. Elle est partie s'asseoir dans les. Même là où elle était assise, quelqu'un m'a appelé fort. Hein. Elle était nerveuse parce qu'après il fallait la mousser. Normalement, tu ne devrais même pas t'asseoir ici. Tu étais avec qui? Tu étais dans le fauteuil. Et ton mari, là, il était assis dans une petite chaise à côté, comme les chaises de. Je ne sais pas. Franchement, tu as vu là où j'étais? Moi, je suis quelque part que j'arrive. Là où je vais s'asseoir, toi ici. Hein. Moi, je m'assois. Il y a une hyène. Vous aimez les hyènes? Quand on va vous voir là-bas? Maman, tu connais? René Star de Lille, quand elle entrait dans sa robe noire qui pendait, elle prestige la classe. Et Babala, que je connais leur nom. Avec ça, vous avez ça. Mais quand Pamela s'est entrée avec sa veste rose et sa femme, ça pouvait mourir. Déjà, tu viens avec ton chéri, tu entres, tu te vois bien noir, tu entres comme c'était ma copine, maman. Elle t'a blondé devant les gens là-bas, tu ne devais même pas t'asseoir là-bas. La honte allait me tuer. Moi, j'étais moi assis avec mon énorme, oui. Nous, on danse nos choses là-bas. Ah, mes petits gens. Ça, là. Regarde. Tu as payé combien? Tu dis que par ça n'a pas payé. Comme ça, même si il y a eu quoi. Il faut quand même penser au bon moment. Toi, tu ne penses à rien. Toi, tu aimes la mise à bon. Tu aimes dégrader les gens parce que tu as raté ta vie. Moi, je n'ai pas raté ma vie. Hein. Je suis dans mon HLM. Depuis des années. Là où tu dis là-bas, montre là où il y a ton nom dans la boîte à lettres. C'est monsieur Moussa. Moussa. Et tu me parles de moi. Dès que lui, il m'a une fois, hein, une place. Il te laisse pas. Comme tu es cru, je vais être plus crué là que toi. Allô, mon grand frère. J'espère que tu vas bien. Tu es au courant du leurré? Il y a un leurré d'or. Oh. Voilà sa vie. Le buzz de l'année. Bami Pawaye en cellule à Douala. Il paraît qu'elle arrivait à Douala, on l'a retraité à l'aéroport de Douala. Bami Pawa. Dodo Fondja. Il paraît qu'on l'a arrêté où elle est en cellule depuis hier. Depuis hier, elle est dedans. Et là, alors, c'est bon à moi jusqu'à. Bonjour mon grand frère, bonjour. Dis-moi un peu, Tata Aline, elle est toujours avec nous ou pas? J'ai vu là comme si, je viens de voir là comme si elle a fait la pub de Ngoï. Elle ne sait pas si elle sait la tourner sa veste. Bien, je comme les relations de Facebook là sont bizarres là. Je viens à peine de me réveiller là.
Il disait juste ça. Attends. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Bonjour. Coucou ma BS. Bon, moi je t'avertis. Comme tu dis que oh, ma BS, je suis pour le buzz de l'année. Bonjour mon grand frère, bonjour. Eh, dis-moi un peu, tata Aline, elle est toujours avec nous ou pas? Écoutez. J'ai vu là comme si, je viens de voir là comme si elle a fait la pub de Ngoï. Elle ne sait pas. Si elle le sait là, je tournais sa veste. comme les relations de Facebook là sont bizarres là. Je viens à peine de me réveiller là. Il disait juste ça. Bonjour, bonjour. Je suis contente de toi, je suis fière de toi. Tu es quitté dans les classes. Nous, moi j'ai appelé mon neveu tout à l'heure, sa mère. Je lui ai dit voilà la suite. Bami pas, ouais. Hein. Oh ma con, je sais où on s'est arrêté. Et toi, comme tu es tu là-bas, ma co, confession. Là, regarde ce que tu as fait. Et c'est pour ça que tu es fâché. Hein? Lui, ta soirée. Parce que ta soirée a réussi. Dans les deux de connivence. Elle était fâchée. Est-ce qu'elle est encore avec nous? Alors quand tu dis que c'est ma co, vous filmez ensemble. L'hypocrisie de ça. Je veux que tu mettes les remembers ici quand j'aurai envie. Je veux mettre après ça. Vous écoutez très bien. Parce que tata Aline avait changé d'avis parce qu'elle disait à Fleur que petit pays ne veut pas venir à sa soirée. On est d'accord? Dis-moi un peu. Tata Aline, elle est toujours avec nous ou pas? J'ai vu là comme si, je viens de voir là comme si elle a fait la pub de Ngoï. Elle ne sait pas. Si elle le sait là, je tournais sa veste. comme les relations de Facebook là sont bizarres là. Je viens à peine de me réveiller là. Il disait juste ça. Bonjour, bonjour. La situation. Qu'est-ce qu'on fait du dossier de Natacha de Monaco? Il me dit qu'on traite ça. Il me dit bon, voilà. Tu faudras que tu lui fasses une sommation. Dès demain, tu lui fais une sommation. Tu lui donnes un avertissement d'abord. Parce que depuis là, elle est en train de manquer de respect à mes sangs. Coucou ma BS. Bon, moi, il t'avertit. Comme tu dis que, oh, ma BS, je suis contente de toi, je suis fière de toi. Tu es quitté dans les clashs. Nous, moi, j'ai appelé mon neveu tout à l'heure, sa mère. Je lui ai dit, voilà la situation. Qu'est-ce qu'on fait du dossier de Natacha de Monaco? Il me dit qu'on traite ça. Il lui dit, bon, voilà. Tu faudras que tu lui fasses une sommation. Dès demain, tu lui fais une sommation, tu lui donnes un avertissement d'abord. Parce que depuis là, elle est en train de manquer de respect à mes sangs. On reste tranquille comme si on avait peur d'elle. Là maintenant, elle prononce encore son nom et nous on sort. Elle prononce encore son nom, nous on sort. Voilà, donc ne m'appelle pas après pour dire que oh, ma BS ne parle pas. Voilà, moi je t'avertis seulement. Justement, je t'avertis parce que je vais agir. Voilà, donc je ne suis pas en train de demander ton audience. Je te dis seulement qu'il va agir. J'ai mes sangs. Voilà ton fils, il te fait les big up là-bas jusqu'à. Je lui ai dit qu'il m'envoie son. Écoutons, je suis Edelisa Duracelle. N'est-ce pas, je suis drogué. Bonjour, mon grand frère, bonjour. Coucou, ma BS. J'ai dit à sa mère d'acheter. S'il faut écouter le dieu de la femme, si. Donc, le gars, Bobby, a dit qu'il a travaillé avec les papiers d'Amout. Tu comprends un peu? Hein? Hey. BS, j'ai oublié de dire aujourd'hui à mon grand frère. Il y a la mère de son enfant qui est là-bas en Suisse. Il y a Genève, il y a l'autre ville là où on parle le français là, qui est décédée. Il a abandonné l'enfant là-bas et l'enfant là lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il a abandonné l'enfant là-bas là. C'est-à-dire sans même s'occuper de cet enfant. Rien du tout. Il a abandonné une petite fille. Là-bas, et la fille, elle ressemble là-bas en Suisse, là-bas. Je suis à Paris. Tu as suivi sa main. J'ai fait le direct, j'ai enchaîné sur Élise Batan. Lui aussi, il a pris là-bas. On a dit qu'on est seulement sur Balata. Oui, c'est ça qui est ça. Là, je m'apprêtais pour aller chercher la petite femme là et chercher à partir regarder où mon match. En tout cas, tata, ne mange pas beaucoup là-bas chez Bessango, pardon. Yeah, ta co-épouse, alors, je dis que ta co, elle, c'est ma co-épouse, là-bas, c'est ta co, maman, ta co, alors, fais ça dur. Non, tata, je te donne les mêmes. Tu restes et tu demeures à Nomba. Prendre ça maintenant, faire des posts, des statues avec les photos autrui. Et ça risque de lui causer elle-même les problèmes encore. Hein. Elle croit qu'elle me fait à moi. Elle est en train de faire du mal au tipsy. Parce que les TKC peuvent prendre sa partie, faire le sagat avec. Et graphie. Aïe, tchoum, les. Oh, non.
Oui. J'ai parlé d'un mère. Est-ce que même prononcer Jolie Mouret en l'onano a prononcé Jolie Mouret, non, non. Jusqu'à elle a mis la photo de type autrui. Hey. Coucou ma BS, bonjour. J'espère que vous allez bien là-bas. Oh, une belle. Chouye mnye. Ah, recadre Florlen. Oh, mais elle boit déjà le lien. J'ai très mal, ma BS, je ne peux pas parler. J'ai très mal. La douleur me bloque la respiration. La douleur, c'est pas la douleur. Il disait que le grand frère ne prononce plus, qu'il ne fasse plus allusion à ma copine. C'est-à-dire qu'il ne fasse plus allusion à elle, en mal. Donc qu'il ne parle même plus d'elle. Qu'il ne la prononce plus. Parce que nous, on est en train de la mettre dans la poche. Donc qu'il ne la calcule même plus. Qu'il ne parle plus d'elle. Voilà. Quand il fait son direct, qu'il ne prononce plus celle-là. En Suisse, à Genève, il y a... S'il faut écouter le direct de la femme, si... C'est Lausanne. Il habitait à Lausanne. Lausanne, c'est côté français. J'habitais au quartier Puy. Puy, c'est comme les 16e, comme les 8e, comme les Champs-Élysées. C'est là où j'habitais à Lausanne. Renseigne-toi. Mbap. Dans le gars, Bobby a dit qu'il a travaillé avec les papiers d'Amout. Coucou, ma BS. Bon, je t'ai de s'occuper de ce dossier. La maman Samuel l'a lavé la veuve. Laver tout le monde, laver Barano. Même j'ai appelé là-bas. J'ai dit que Barano, lui et moi, on a dit qu'il nous amène la vidéo où Jean-Louis Messant entre d'insulter les Bamiléki. Nous, on s'est déconnecté de Facebook. Là, il écoute la musique au début, va vers la fin, là, vers le milieu, là. Il a traité. Il a dit que Jean-Louis Messant, voilà ton fils, il te fait les big up là-bas jusqu'à. Il lui a dit qu'il m'envoie son nom. Je m'avais envoyé 50 euros. Je lui ai dit qu'il s'occupe de ce dossier. C'est lui qui va maintenant parler. Ça, mon grand frère ne parle plus. C'est son travail maintenant. Voilà. Le grand frère est devenu l'enfer. Moi, je n'appelle pas ça. Et c'est mon président, une personne avec moi, avec les Warriors. Et c'est le président de la team de la vérité. Je suis la directrice de la team de la vérité. N'est-ce pas ce que je suis d'attendre? J'attends mon client, là. Un bon payeur. C'est pas pourquoi les gens ne veulent pas que je mette les lunettes. Et mais ça me dérange. Attendez. C'est ça. Écoutez comment... J'ai une correspondance pour aller. Mais c'est quoi, Denis? Vous m'appelez même pourquoi? Ça, c'est un numéro qui est privé. Vous appelez. Écoutez comment... On écoute très bien. Tu peux venir nous dire ici que ton frère, il n'y a même pas un mois, il a bu, il a tout mal ta mère et il a bastonné ta mère. Est-ce que tu peux venir nous dire ça? Qu'il a couillé ta mère au point où il a bastonné ta mère. Tellement il était bourré qu'il est rentré, il a trouvé ta mère. Comme ta mère reste toujours avec le pain et les seins dehors. Il a couillé ta mère et il a bastonner ta mère. Est-ce que tu peux nous dire que ta mère n'arrive même pas à payer les médicaments? Elle a dit que elle ne peut même plus prendre les médicaments des 4 lettres. Est-ce que tu peux nous dire ça? Hein? Est-ce que tu peux venir t'asseoir et assumer que... C'est une idée. Allez pour changer. Arrivez là-bas, dit que non. Madame, ce sont les billets de Monopoly avec qui on joue au Monopoly. On s'est moqué de toi. Au lieu de partir, tu as pris 2 gars du 17e. Vous êtes parti, la honte. Ton nom est sorti, là, tu as tué. Tu es une femme, toi. Demande l'endemain qui je suis. Quand on veut l'argent, on vient prêter. Tu m'entends? Jusqu'à être que je descends à une personne qui va avoir 6 000 euros. Que j'arrange ma cuisine. Si je ne sais pas arranger la cuisine HLM, si je vais arranger, j'arrange. Je vais arranger quand je suis content d'aller ma cuisine, c'est comme ça. Je ne peux pas aller me soumettre ici. Je fais des poissons brisés. Je suis heureuse. Ma cousine me plaît comme elle est. Il ne faut pas dire qu'elle laisse. Hein? On laisse quoi sur la carte ici? Je vous laisse écouter. Moi, je me déplace. Je m'en vais me faire pipi.
Vous savez, il faut même que je prenne un médicament, là. Que ça fait les jours que je ne suis pas allé aux toilettes. Ta mère a les quatre lettres. Si je mens, envoie ta mère faire les tests. Si je mens, demande à ta mère d'aller faire les tests. Avant qu'on épouse ta mère, avant que le commandant épouse ta mère était d'abord le sasaï et on connaît. Nous tous, nous connaissons. Quand les hommes en tenue, là, parce que ce n'est que les hommes en tenue qui couillaient ta mère. Ta mère a t'as dit, les quatre lettres là, c'est comme ça là. Elle a ça comme ça. Comme ça que je m'avais regardé parce que les gens disaient dans les trucs. Donc, mais tu te prends pour qui? Tu as commencé à insulter ma mère, vous êtes deux, toi et Lolo. C'est comme ça parce que moi je suis le sorcier, c'est les ossements humains de Lolo. Et moi, j'ai d'abord pris le je t'insultais pas. C'est après que j'ai pris ta mère, quand ta mère est venue ici. Regarde-moi cette cervelle. Regarde avec la dose, il a dit que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je veux te finir. Toi-même, tu vas dire que quoi? Toi et moi, c'est le problème, ma mère sort d'où? Quand c'est sorti ici que ta mère, ta mère t'a fait avec son frère, ici à Facebook, c'est moi qui ai dit ça, les vidéos. Hein? Tu as oublié? Il y a les preuves. Je dis que, par la bouche que tu fais, tu vas lécher. Ce n'est pas celle-ci. C'est la Biondini que tu. Moi, je ne veux pas la Biondini, qui est la noire, là, je ne sais pas, là, dans mon bordel là-bas. Je dis que la Biondini que tu vas lécher, ça, c'est ado. C'est la marque ici, la publicité gratuite. J'ai tellement marché avec ça comme là. Moi, j'aime que les 12 centimètres. Peut-être que tu ne connais pas très bien ça. Je te dis que, hein, que mon frère jumeau. Écoutons. Pardon, écoutez. Hé hey, à ce point-là. Ta mère, elle a ça. Ma mère, elle a ça. La vie avec les quatre lettres. Okay. Oudassi. Ta mère a ça. Et ton frère, il n'y a même pas un mois. Ton jumeau. Ah, pourquoi est-ce que ta première fille couillait avec ton mec? Hein? Parce qu'elle était plus grande de taille que toi. Alors le mec, comme le white aime les femmes grandes, il couillait ta fille, tu étais obligé de rester là. Tu peux venir nous dire ça? Parce que il ne faut pas seulement venir parler parce qu'il faut parler. Il ne faut pas parler parce qu'il faut parler. Tu peux venir nous dire pourquoi est-ce que l'homme avec qui tu étais marié couillait ta fille? Tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'elle n'a pas continué ses études? Tu peux nous dire pourquoi tes filles ont arrêté les études? Et tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas réussi? Parce qu'elles ont échoué. Où te vient la jalousie, la frustration sur les enfants du président Raymond Tchenga? Oui. C'est là où te vient toute cette jalousie-là. Et tu es aigri. Et je me chie. Quoi? Ngoussa. On s'amuse souvent. Entre moi et mon frère jumeau. Mon frère jumeau ne s'amuse pas. L'achat dans les trucs en étage là. C'est pour ça que oui, comme d'acheter parti, ça allait être arrivé. On t'a donné parce que tu étais la tchétché. Comme ça, tu dis que, disais-moi un peu ça. On dit que quoi? Tu crois que ou bien c'est Blanchard, le papier, ou c'est quoi, ou? Et comme il est parti. Moi, j'ai 11 000 euros. Demande-lui. Et toi, tu as vu combien? Dans l'anga, on te baise dans l'anga. Les femmes ont dormi en bas. On voit comment il te finissait. Avec son beau pénis bien noir. Dans rien. Mamie, j'ai fait l'erreur. Peut-être tu dis que, comment tu es la copine de Blanchard? Voici la lettre. Tu prends la lettre, tu l'amènes du 7e. C'est là qu'on dit que non. Il avait fait le test du sida. C'est là qu'on dit qu'il a le sida. Que tout le monde a compris qu'il avait le sida. Et vous connaissez que le monde des femmes, c'est un monde de commencer plus que les femmes. Il a eu honte. Est-ce que Blanchard voyage encore? Il te fait voyager dans d'autres pays parce qu'il a honte. À cause de quoi? Quand l'angle est sorti à l'Ukraine, là, on avait fait des rires et tout ça. C'est toujours toi qui l'as dit. C'est toi qui as amené ceci. Et moi, c'est ma propre, c'est ça qui m'a dit. Tu crois que j'avais la fille pour rien? Ma femme me dit que je baise avec les chiens. Et moi, je dois dire quoi? Je suis Yannis, non? On va que sortir tout. Parce que tu connais tout.
Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu ne seras jamais rien. Tu es juste une maman. Je vous montre ma maman. Quand je te mets le dos sur là, c'est Nadine Papa qui t'a sorti de mes mains. Elle peut témoigner. Regardez bien la vidéo. C'est quand Nadine Papa dit, ouais, elle, regardez, elle est en train de se jeter en bas. C'est pour ça que tu réussis. À m'en tourner. Au moins, l'histoire de Tchenda que j'ai mis ton sale dos au sol. Tu étais nu pied et moi j'avais les tennis. Je reviens encore. C'est le sang qui va couler le tout ici. Pétasse. Eh, maman, eh, maman, il vient. Eh, maman. Quand c'est sorti, c'est que ta vie est sortie ici. Chaque fois, chaque chose aussi, mais je ne suis pas comme si elle est mon âme. Tout le monde a vécu à Paris. Les femmes qui ont dormi dans les premiers classes, qui voyageaient. Maman, j'allais mon petit bungalow. Ah, quoi? Mais j'allais quand même. Je nageais au méridien, je nageais partout. Tu parles de ma vie privée comme si tu connaissais. Tu vas dire que tu as dit ça. Tu veux te faire. Non, on parle que chez Antigan. C'est mieux. Là, demande aux gens qui me connaissent. Demande à tes soeurs Bassala qui me connaissent. On parle que chez Antigan. Je vais te montrer que je suis à vous, ça veut tout aussi. Tu te parles pour qui? Pourquoi tu insultes ma mère? Pourquoi pas moi? Tu es la première personne à insulter ma mère depuis des années. C'est pour ça que moi aussi j'entends la danse, j'insulte aussi ta mère. Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Et tu continues. Et moi, je vais continuer. Mais le Tousi, Ngosa, demande bien l'argent après que tu as fait le Tousi. Comme je dis, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Le Tousi, c'est sucré à moi jusqu'à... I go do you sauter. Fine, fine, sauter. Fine, fine, woman. Non, je ne vais pas te laisser. Non. Ne te laisse pas. Eh, ma mère. Eh, ma mère. Et le sac qu'elle porte, c'est le sac, c'était la masse, c'était Gucci, je crois. C'est pas des parmi les sacs que j'ai laissés au pays. Parce que ma mère ici. Ma mère, Miguel. Tu vois la maman que tu insultes. Elle ressemble à une femme qui a des sida, une femme qui est malade. Le sac qu'elle porte là, c'était Gucci privé. Quand l'histoire de la canne a sucré, c'est que je suis parti. On nous a chassé de la canne. Il est quoi, personne n'est arrivé ici. J'ai tout laissé là-bas. Toutes mes chaussures. Les nouveautés, ça. Tout est là-bas. Mes vêtements sont là-bas. Et quand je parle, je vais récupérer parce que j'ai, on m'a dit qu'on voit comment porter mes sacs Chanel et tout partout. Ça fait partie des sacs que j'allais amener. Ngoussa. Je m'en fous, mais que j'ai insulté dans 2001. C'est maintenant entre toi et moi. Je voulais te demander pourquoi depuis des années tu as insulté ma mère. Je t'ai fait quoi? Eh, Moussa. J'ai fait quoi? C'est vrai, qu'est-ce que l'USM? Ça a commencé. Hein? Le jour là que tu as parti chez l'homme, était ni au mariage. Ah, y a Oundé, à Douala. Tout ce qui est rentré, c'est que, j'ai même le pari qui m'arrête. Depuis toi égale 23. Ah oui? N'est-ce pas? Avec ton frère. Les mêmes frères là, qui parlent dans ta vidéo tout à l'heure. Sache que, comme je te dis, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Mon gosse pute. Moi, je vais te souiller. Tu as les épaules larges, non? Moi, je n'ai pas les épaules larges. Je veux te. Do you are doing me? My knock backs. Avec moi. C'est balata. L'histoire se va loin. Mais pourquoi? Je veux savoir pourquoi tu as insulté ma mère. Parce que c'est toi qui as insulté ma mère pour la première fois. Et c'est là aussi que, quand j'apprends que ta mère est ici, que je suis aussi ta mère. Parce que, moi, je suis une jumelle, Moi, quand, c'est pas qu'on ne me calme pas, C'est moi-même qui je me calme seule. Si j'avais vu la vidéo, on va couper ce que je vais envoyer sans autorité. Je vais envoyer ça, écouter ce qu'elle dit de ma mère. Tu vas t'en sortir? Pas au Cameroun. Moi, j'étais pas, c'est toi qui m'interdis le Cameroun. C'est toi qui, quand j'arrive à accompagner. Et tu vas me dire dans quel motif? Après tout, l'an 2000, c'est mon beau-frère. Par consanguin. Comment on dit? Que cette femme que tu insultes ici, c'est celle-là qui a fait grandir la femme de ton père, la femme de l'an de Peña. Parce que tu as baisé avec lui, les sidérés là. Toujours toi qui parles. L'an 2000, c'est pas comment tu as su qu'il y a eu quelque chose de vrai. C'est toujours toi qui sors. Parce que c'est sorti ici à Paris. Mais moi, c'est Sébastien qui m'a dit. Parce que c'est moi qui suis parti payer la vaseline médicale. J'étais à la tête de la falaise. À quoi?
La pharmacie qui est en face. À côté de l'ancien cinéma de Vouri. Tu me parles de quoi? Tu connais la vie de la famille? Que mes enfants sont jaloux de qui? Tu as vu les métisses filles être jalouses des noirs? Oui. C'est bien une bonne chose. Ma fille a fait la fin avec un noir. Ça fait quoi? Mais Enamangwe. Voilà pourquoi Emilia. Enamangwe, c'est la race de Coco Emilia. Quand tu vois Coco Emilia n'est pas belle. Quand tu vois Enamangwe qu'elle va garder, ce n'est pas belle. Miss France, toi si. Et dis qu'un. Je ne sais pas là où tu es assis. Qui te donne les nouvelles? Qui te dit certaines choses? Tu vois, ta mère n'est pas allée chercher moi. Ta mère t'a eu avec son propre frère. Donc tu es le fruit de l'inceste. C'est interdit. D'où tu es rejeté? Tu as voyagé pour venir ici. Prête à partir. À 4 ans, changer les photos. On est pareil. Je ne sais même pas où tu es passé. Tu es une broussailleuse, une pauvre merde. Moi, je viens ici, Air France. Avant, il n'y avait pas business class. Il y avait first class. Business class sont nés derrière. Tu m'entends? Il faut payer le PayPal. Même si je ne peux pas au Cameroun, je veux t'humilier. J'espère que les gens qui. Les 5000 personnes qui commandent là seront là pour toi. Regarde une pauvre merde. Un nasty coup. Tu peux nager où je nage? Tu peux porter la bici? C'est ce Zalando. C'est une marque quand même. Tu peux porter ça. Une femme moi, qui j'ai conçue depuis ma soeur. J'ai conçu. Je ne sais pas si ma soeur a conçu là. Ils ont d'autres petits biens là-bas. Tu me connais moi? C'est moi qui amène ma soeur à quoi? J'ai porté l'an 2000 quand il portait mes couteaux au port, et je le répète. Et je le dis. J'ai mon oncle, papa Emma. Malheureusement, il est décédé. Tu ne connais mon histoire? Tu viens t'asseoir, Facebook. À qui tu parles? Je peux t'employer même si tu viens de la ville en grande assise. Comme vous parlez tout, vous avez tout. Vous venez me manger tout à Facebook. Avec moi, c'est pas comme ça. L'argent, j'en ai touché. Mais toi, tu ne fais qu'effleurer l'argent. Effleurer. Parce que Dieu t'a tout refusé. Tu m'entends? Va d'abord enlever ton gros intestin là qui garde les caca là. Toi, ta part. À l'hôpital qu'on te fait. Toi, les cataractes. En fait, moi, c'est comme toi. Tu es une pauvre fille. Dieu t'a refusé. Ta propre mère t'a refusé. Même ton père. La norme, pas je mens. Belle. Elle était belle, hein. Une belle femme comme ça. Bien potelée. Comme vous la voyez là. Tu vas là, ben. Je vais là, ben. Tu vas là, ben. Pour arriver où? Pour rester dans les petites maisons sinueuses avec les fils de courant qui passent. Hein? On a eu une femme a eu pitié de toi. On a amené dans les camions. On t'a dit que moi j'ai vécu ce genre de vie. Quand j'ai atterri ici, je vivais à la ville de Marc Mahon, c'est Champs-Élysées. J'habitais le téléphénix. Au standing. C'est comme ça que je me baladais la nuit, je vois les gens de bois qui passent. Je dis que donc c'est ici. J'ai découvert ça tout seul. Les bars à champagne tout seul. Ah, tu es là, tu connais quoi? Tu sais le nombre de filles que j'ai amenées là-bas, elles sont mariées. Même si elles ne parlent pas de moi aujourd'hui, je m'en fous. J'ai fait comme... Quand les filles arrivent, que c'est là-bas qu'on part, je n'ai pas un bureau. Alors, toi, on t'a amené où? À la forêt? Vous êtes payé à 10 euros. Tu vous parles de moi? Je pouvais prendre un client même de 300-400 euros. Allez, pour des femmes, avec mon été. Il y avait l'argent. Hein. Donc, moi, l'été, sur Champs-Élysées, toi, tu étais là-bas au camion rouge. Tu propages le sida à tout le monde. Tu connais les enfants de l'an 2000? Tu connais leur nom? Paris, c'est né dans mes mains. Paris. Tu connais leur nom? Tu connais les derniers là? Tu les connais? Tu peux te montrer les photos où je suis chez eux? Alors, la maman aussi, il y a trois enfants. Alors, maman, j'ai beaucoup d'enfants. On raconte les hommes. Moi, j'ai raconté des vêtements pas dans les bars, pas dans la sport. Hein? Moi, j'ai raconté par le Laurent. J'ai raconté des vêtements pas le Laurent. Celui qui est mort à la fashion au Saint-Père. Ma mère était. Et alors, elle a fait sa vie. Elle est devenue respectable. Elle a fait des enfants. Elle a épousé un homme qui avait besoin d'une femme aimante. On t'a pas dit qu'il avait une autre femme. Ramatou. Arama, rama, rama. Une femme de nous. On appelle ça comment les femmes de mon fils là. Il avait d'abord une autre femme. Hein. Elle a dit qu'elle n'est pas là pour garder les enfants. Oui, il y a eu la mère de Mireille, il y a eu une autre.
Ramatou. Quand tu ne connais pas, ferme ta putain de gueule, Moussa. Ma mère a tout fait. Au fur et à mesure que j'avais l'impression que la maman aimait plus que les enfants de son mari plus que moi. Et toi, tu viens oser, tu viens parler de cette femme. Je te lâche pas dans le cas. Un don, tu n'es pas au courant de la vie de notre femme, Ramatou. On a des gens de nous là, on nous appelle comment, les femmes de nous là. Où c'est Fumban, à Fumban. Elle dit qu'elle quand elle tournée, le jour qu'elle danse, quand mon père fait deux jours, où c'est combien de. Avec ma mère là-bas, elle. Tu m'as épousé? Oui. Pourquoi tu vas encore épouser l'autre? C'est pour ça qu'elle dit que bon, je te laisse alors avec les enfants, avec ta comment, Fumban ici. Elle dit que ben, quoi, moi je ne suis pas chercher notre femme. Hein. C'est comme ça que donc, tu veux ma mère. Ma mère, elle fait comment? Elle fait comment? On t'a parlé d'histoire. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y avait beaucoup de femmes. Hein. Te voilà qui a élevé les enfants de ton gars là, non? C'est ta fille? Il t'a raconté où? Tu es obligé de partir chez Patrice. Le bassin là, tous les restaurants là-bas, presque ici. Il t'a présenté Monsieur Moussa. Tu es obligé d'aller sucer à 2 euros. Tu as payé le mariage. Tu viens parler à qui? Et il a fini comment? Voilà ta fille, alors que tu as élevé, tu as vu comment elle se comportait. T'as vu? T'as vu, elle se comporte exactement comme. C'est comme ça. Elle a la dot, la dot. Elle dit, mais la dot, mais c'est papa. Il va mettre quelque chose dedans. Elle dit, vois avec papa. T'as même pas honte. Tout pour ça, c'est les bénéfices. Tu vas mourir les yeux ouverts. Ferme ta gueule. Il faut remercier ma mère. Quand tu parles, fais attention. On a fait le père, tu n'avais pas notre femme. Il l'avait. Elle a dit que non. Avec tes enfants, là, moi je ne suis pas. Elle était belle. Et vous connaissez les femmes Bamoun. Quand elles sont belles. Brune. Elle dit mon mari, elle ne dit pas que ton père. Lui, il m'a reconnu. J'ai tué, été là pour lui. On a vendu les dailles, c'est moi qui l'ai mis pour la dernière fois. Tu m'entends? J'ai fait les deuils. Propre. J'ai déplacé les gens à Douala dans ma voiture. ML, on est parti. J'ai logé tout le monde dans les hôtels. J'ai payé les pailles, j'ai crisé les pailles. Donc quand tu parles de famille des gens, ferme ta gueule. Tu crois que tu t'amuses? Moi, je m'amuse pas comme j'ai dit. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. La première fois que je vais faire du mal, c'est toi. Je te lâche pas dans le temps. Je t'en prie, tu te prends pour qui? Tu t'assois dans la famille des gens, tu parles, tu connais ma mère? Hein? La personne qui venait te dire ne t'a pas dit que lui, avant que ma mère arrive, il y avait une autre femme, Bamouni, qui était là. Elle a dit qu'elle ne peut pas elle. Parce que l'autre, c'est la femme Bamouni qui a chassé la maman de l'hôtel. Tu parles même de quoi? Quand on te donne l'information, tu veux quoi, ma mère? Elle n'y va rien parler. Maman remarque, tu sais, non? Avant, ça avait une autre. Il s'est marié dedans un régime polygamie ou c'est monogamie. C'est ou c'est monogamie ou polygamie, enfin, autre chose là. Il devait avoir beaucoup de femmes. Elles sont toutes parties de qui les enfants. Donc, qui va élever les enfants des autres? Ma mère a accepté. Quand ma mère arrive, on a toujours quelques minutes. Elle est là. Elle Ramatou. On n'a pas dit ça. Ce n'est pas ma mère. Ma mère, elle arrive. C'est Ramatou, la femme Bamoun, qui chasse la mère de Mireille. Hein? Parce que moi, les enfants, il fallait la voir, elle était jaune comme la banane. Elle disait, ah, Rama, 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 Ratouille, Rama, tu es femme Bamoun. Donc, les gens qui viennent t'expliquer les choses, il faut faire attention. Ma mère ne connaissait même pas la maman de Mireille. C'est la Bamoun. On appelait Ramatou. C'est elle qui a chassé la mère de Mireille. Tu m'entends? Et je veux sortir les choses doucement, doucement, pour te dire que fais attention à ce que tu dis. On t'a pas dit ça. Le père avait combien de femmes? Tout le monde les a refusés. La seule femme qui a accepté les enfants, c'est ma mère. Je m'arrête là aujourd'hui. Donc, fais attention. Peut-être que quand ils étaient sous, peut-être qu'on t'a appelé quand ils étaient sous, tu n'as pas bien entendu. Il y avait une femme Bamoun. Elle s'appelait Ramatou. Elle dansait. Ah, Rama, 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 Ramatou. Maman. Elle gnassait avec tous les vendeurs de chèvres de Zaroussa. On a habité le lac Tchad. À Makari. Là-bas, c'est le Tchad. Il y avait seulement une petite rivière qui nous séparait. Et on était à l'école coranique. Tu sais, je n'ai pas envie de te raconter ma vie.
continue à insulter cette femme. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ma vie. Parce que j'ai suivi souvent. Non, ce n'est pas ma mère. C'est une femme. C'est comme ça qu'elle s'occupe des enfants. Il y a un qui était mort, vieux, qui était mort. Et puis elle s'est coupée. Elle a, les enfants étaient petits. Poupine avait peut-être ses 2 ans. Nathalie avait quel âge? C'est 3 ans. Mireille avait quel âge? C'est 5 ans. C'est ma mère qui les a élevés. Aujourd'hui, elles connaissent ma mère. Elles sont reparties chez leur mère qui est ici à Paris. Toi, tu viens parler. Oui, c'est très bien. J'aime la maison, c'est rien d'ancien. C'est très bien. Depuis que j'ai changé un peu les positions des canapés et tout ça dans la maison, c'est comme si ma mémoire renaît. Depuis hier, j'avais oublié qu'il y avait une autre femme. Ce n'a jamais été ma mère comme ça. Elle s'appelait maman Ramatou. C'est elle qui a chassé. La maman de Mireille. Ce n'est pas ma mère. Donc, revois encore bien ton discours quand tu parles à Facebook. Quand on te dit des choses, il faut bien parler. Tu sais très bien que ce n'est pas ma mère. Mais comme tu la détestes, tu vas me dire pourquoi tu n'aimes pas ma mère comme ça. Si ta mère t'a eu avec son frère, c'est mon problème. Arrangez-vous là-bas. On ne t'a pas dit qu'il avait une autre femme. La deuxième femme vient tuer. Elle chasse la première. La première, les enfants. Elle fait tout jusqu'à que l'autre part fuit. Elle part. Et le type dit que, oh, il est bien. On forme une famille. Tu m'entends? Il me reconnaît. On a grandi comme des soeurs, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais bagarré ensemble. Comme des soeurs. Si ils ne partent pas la chercher en consamba, elle la forme de l'an 2000, qu'ils se connaissent depuis, il y a un petit commentaire que j'ai entendu, elle et moi, on a fait des études jusqu'à à Douala. Quand Mireille était dans quel collège à Douala? Regarde-moi les sages sur les villageoises. Je suis le moteur. C'est moi qui commande. Tu m'entends? Si tu dis, tous les millions qu'ils ont vus, si je si les ai appelés, je peux dire que, donnez-moi quelque chose. Mais moi, dès qu'on te donne, quand je donne. Mais eux, jamais, non, jamais, rien donné la preuve. Rien, même mes enfants, rien. Mon mari est mort. Tu dis que mes enfants n'ont pas de diplôme, je suis. Voilà ta fille, alors que le diplôme qui va se marier, on m'a douté. Je ne serai même pas la doute. Donc, relis bien encore bien l'histoire. Je ne sais pas que les gens viennent te raconter. Ma mère, c'est une femme qui est très aimante, très gentille. Et c'est une femme qui est à l'écoute. Elle est instruite. Elle parle allemand, anglais et français soutenu. Tu m'entends? Tu vas dire dans le sida. Parce que je pense que quand tu ouvres ta sale putain de gueule là, tu ne sais pas que tu as. Et que tu as fait à moi. Tu as fait à moi. Tremble. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Toutes les vidéos là, j'ai déjà coupé, j'ai déjà mis comme ça. Un temps. On va partir. J'étais interdit le Cameroun. Regarde-moi cette petite pétasse à 2 balles. Je veux gagner quoi? Je veux gagner quoi derrière toi? Même ici. Citation directe. Mais toi. Rien qu'avec ça, je peux te porter plainte ici. J'ai pitié de toi. Donc, quand c'est 4 000, c'était 7 500 euros. J'ai refusé, j'ai eu pitié de toi parce qu'elle était seule. Pour toi, tu vas me payer. Mais moi, j'ai pitié de toi. Au Benjé, un bon goal, tu as quoi les filles ont fait les camions ici? Comme j'attends, elles ont quand même trouvé quelque chose. Toi, tu as fait, tu as trouvé quoi? Moi, même j'ai fait ma part ici. J'ai trouvé quand même, même si les morts. J'ai que non, c'est des morts. Toi, tu vas ramasser les sites dans les camions. Tu vas, avec l'argent là, tu vas payer un homme pour t'épouser. Regarde avec, Achille du Cadet, tu m'as connu. Regarde avec qui tu vis. Mbobo, tu as vu matin, midi et soir. Il faut voir quand même pour pas le poisson. Et puis le jour là, qu'on monte. On t'a dit que j'ai crève de farine ici. Que j'ai soif. Quand on te regarde ta vie, on regarde la mienne. On est pareil. On est pareil parce qu'on a le souffle de vie. Nous sommes des êtres humains. Mais en dehors de ça, alors là, attention, tu n'atteins même pas. J'ai dit que tu, Ngosa, tu vas rester la cendre. Tu attends. Mets mon canapé ici. Parce que c'est ma fille qui m'a offert le canapé ici. Je sais pas si c'est ma fille qui m'a offert la télévision. Toi, on t'a offert quoi? Là où tu l'as, tu soulou chez Moussa. Moussa, tu soulou. Comme tu parles souvent des choses là, fais attention. C'est parce que je n'aime pas. Bon, on a noir. Hein? Non, hein? Même bon, on a noir. Non, hein? Non. Je vais garder d'ailleurs. Je parle de Bassa quand je veux. Je ne me connais pas très bien.
Donc, c'était l'avertissement que je te dis. Quand les gens viennent faire, je ne sais pas ce que ma mère te doit. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté. Maman a pris ses enfants là, 5 ans, 3 ans, 2 ans. Le frère qui est mort là, qui a tué, c'est ma mère. On t'a posé raconter ça, que c'est la Bamoun qui a tué. Qui a chassé ma mère, c'est ma mère. C'est qui? C'est la Bamoun. Tu entends? Ramatou. J'espère que la vidéo, si tu vas réfléchir, tu vas prendre toutes les vidéos là où tu es chuté, ma mère, comment ma mère a fait ceci, ma mère est partie chez les marabouts. Que quoi? Tu vois, je te vois ta vie, non? Ta vie dose. Ça dose un pied. Demande qu'on te fait un bon PayPal, hein? Parce que, même si je ne suis pas pour Cameroun, je suis ici. Je veux faire compte du milieu au Cameroun étant ici. Oui, ami, honoré. Même bon, oui, Jam. Même bon, oui. Tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre parler de moi. Demande aux gens, tu vas ça qui me connaît. Demande à Marie d'ailleurs qui je suis. Celle qui portait mes habits au Cameroun. Comme par hasard, c'est moi qui amène Marie d'ailleurs. Si j'appelle un taxi, il va me prendre 20 euros pour rien. Donc, je ne sais pas comment je veux faire. Donc, je veux voir si mon ami, si lui vient avec la moto. Je ne sais pas s'il a amené deux casques pour qu'il me mette derrière, pour qu'il me dépose là-bas. Parce que si je ne pars pas là-bas, tu vas mourir là-bas, seul, là-bas, dans la chambre là. Donc, voilà. J'espère que j'ai parlé ce que tu voulais entendre. Et je peux m'encore sortir plein de choses que tu ne connais pas. Parce que quand tu parles, le bar de la femme de l'an 2000, c'était quoi? Jakarta, en face de Nasport. Mireille Coiffure, lui vend le bar. Elle me remet le bar et moi je remets le bar à qui? À Mireille Coiffure. Tu connais Mireille Nonga, non? Oui, c'est comme ça qu'on fait le business. Les casinos. Je n'ai pas envie de parler avec toi, tu sais. Parfois, quand tu parles de moi, j'ai envie de pleurer. En tout cas, bonne nuit. Merci aux gens. J'espère que vous avez partagé. Même deux personnes qui ont partagé. Qu'elles entendent ça très bien. Que tu arrêtes. Quand tu ne connais pas la vie des gens, tu me connais, moi. Je peux marcher avec toi. Même ici à Paris. Tu me connais. Toi, Blanchard, que tu as donné le sida. Ah oui. Il m'a donné 11 000 euros. Toi, tu t'as donné. Il t'a payé. Avec les billets, les faux dollars. Attends, ouais, je crois que j'ai les dollars ici. Les faux dollars, les avaient les billets à toi même. Monnaie de singe. Vous savez tous mes dollars là. J'ai demandé les dollars ici. Elle arrive, Kounia. Hé, mes gars, vous savez que votre père est parti au pays, non? Il m'a laissé l'argent. Mais les gars, tu as seulement montré. Il t'a laissé le Monopoly. Tu es parti au de change là-bas à Place Clichy. Parce que tu ne connais pas qu'il y a des changes au Champs-Élysées. Parce que ce n'est pas ton monde là-bas. C'est lui où tu vas. J'habitais encore là-bas dans la grande maison. Donc c'était toi. Eh bien, dis donc. On dit que non, monsieur, ça, ce sont les billets des jeux. Quand ils font les gens. Quand ils jouent à leur poker là. C'est avec les faux billets, donc. C'était écrit. Et ici, c'est écrit que quoi? Unité de. Unité The. On ne dit pas de The. The United, United States of America. C'était écrit The United States of Facsimile. C'est comme ça, parce que je ne sais pas comment faire. Comme par hasard, tu ne veux pas aller boire les billets en Ganda. C'est Mamie Jacques. Mamie, je te donne la lettre que. Il y a ton gars là qui a reçu une lettre. Comme tu ne sais pas lire, tu ne coupes pas la lettre. Tu amènes ça au 17e. Tu donnes à tes anciens chauds. Tu as couillé avec eux. C'est eux qui ouvrent maintenant. Eux-mêmes, ils disent que donc, si Blanchard le sida, Ngossa le sida, nous sommes dans le sida, c'est sorti. Et tu sais pas utiliser le préservatif. Et tu as pris le sida où? Je sais tout, je vois tout et je connais tout. Tu entends? Et je dis, quand, comment et où, toi, cette petite rat, tu peux me parler. Ferme ta gueule dans les familles des gens. Ferme-la! Imbécile. Bonne nuit.